Ça nous avait créé Duke et Prosper, et on part parler de chasser, monsieur, tout de, ça, tout ça. Du maire, monsieur... monsieur... C'est Pennyworth. Pennyworth, il arrête. Ah oui, j'ai vu... Il a démissionné avant-hier. Ah bah oui, bah je comprends. Bah il était fatigué, et puis ouais, lui aussi, niveau santé, c'est pas terrible. Ah, d'accord. Bah, bah tout le monde est malade, quoi. Oui. Bah... Après lui c'est l'âge aussi, hein. Il a à peu près mon âge et il se tenait un peu. Bah, il se tenait un peu moins. Hein. Bah, oui. Moi et Denise on est. Incassable. On est des rocs à notre âge, bien sûr. Tout à fait. Je me souviens bien, vous avez à peu près le même âge que moi. Oui c'est ça, il me semble que j'en ai plus que vous, ce qu'on avait. Oui voilà. Ce que vous m'aviez dit. Non, on se tient bien encore. Bon bah, ça va. On se tient bien, mais bon, après un coup de fatigue, ça arrive. Hein. Dit qu'en fermaire, bon. Bah, c'est que je pense que ça use un petit peu plus vite la santé que certains autres métiers. C'est ça. Bon, pour le coup, il risque d'y avoir des Italiens à Tiff Landing et c'est possible qu'ils veulent me faire chier. Ah. Ah, il faut que je m'explique un peu avec eux. Pas grave, vous servirez de garde du corps. Comment qu'on fait? Oh non, non, dites rien, pas grave. Ah, bah d'accord, ah. Ok, l'accueil, ils attirent les d'accord. loups. Carrément. Voilà. Vous réglez bien les problèmes. Bah écoutez. Ah bravo. Plein. Qu'est-ce que j'en ai croisé aujourd'hui, des loups? C'est la troisième meute alors que je suis là depuis pas longtemps. J'en ai croisé aussi, bah juste en venant à Blackwater et en sortant de... Dumbleweed, tu vois. Ouais. Et je crois qu'à un moment il y avait des loups et un ours ensemble. Ah, qui faisaient... Qui étaient sur le chemin. Qui faisaient alliance. Bah, en tout cas, ils ont dû suivre... Ils ont dû, j'imagine, suivre quelqu'un et puis après ils se sont arrêtés sur le chemin en attendant. Puis bah j'ai dû passer un peu après. Bah si ça copule, ça va être terrible. D'accord. Bah si je me suis dit, s'ils commencent à faire alliance, ça va être compliqué. Ah bah oui. Mais ça serait malin. Y'a de la trompette. Oh oui. Ah ça va. Ça va être C'est nouveau ce gros bateau? Oui. C'est si vous avez des dollars et ça a changé. D'accord. Il y a un gars dessus qui vous l'échange. Ouais, c'est Miles. Bah faut aller dans le resto là, voilà. Si vous voulez manger. Alors la porte n'est pas là, comme on pourrait le croire. Mais oui, ici, je sais jamais. Ouais, c'est là. C'est un peu lugubre en plus. C'est vrai que c'est sombre. Qu'est-ce que c'est sombre? Rainy dans mon restaurant. Et s'ils ouvraient les volets aussi? Ah ouais. Mais la nuit ça va mieux parce que ils allument les lumières la nuit. Donc alors c'est. Alors que la journée y a pas besoin. Ici. Vas-y. Je... Ouais. Ah ça veut pas. Ah voilà. Ah il y a de quoi faire ici. Oh caramel est peu cher hein, comme vous voyez. Ah oui. J'en prends quelques-uns. Je vais prendre une tarte à thym. Pourquoi ça marche pas? Là où je suis, là où je suis, pas ça. Vas-y. Ah oui. Oui, parce qu'en plus, je vois pourquoi. J'en prends quelques-uns quand même. On a tellement faim. Là.
Ah, ils en ont plein des trucs. Ça cuisine sec. Bah ouais, non, ils sont. Bah en plus, comme là en ce moment, ils savent que. Bah que le salon de Blackwater. Enfin, ils savent. Comme le salon de Blackwater, bah y'a plus rien. Ah, c'est vrai qu'ils se ramènent tous les clients de Blackwater, c'est bien. Ouais, il y a un marché à prendre, là. Et ici, il y a Blackjack, roulette ou pas du tout? Je me demandais. Non, dans le salon, il y a Blackjack, roulette, non. Dommage. Chez Madame Denise. Ça va pas, non? Il me dit chez comme seul, ça. Lui. Bah écoutez un peu, Matt. Allez. Bye. Les culs jet, Mike. Allez, c'est à moi, monsieur Duc. Vous allez bien? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et bonjour, madame. Bonjour. Vous jouez vraiment bien. Vous jouez bien pour ça. C'est monsieur Donovan qui m'a conseillé de faire ça. Ouais. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a des Italiens là? Non, j'en ai pas vu. Je sais pas rentrer encore. Je pense qu'il serait venu me casser la gueule. Je pense pas. Je sais pas. C'est qu'ils sont si j'en sais rien. Non, il m'aime bien normalement. Il m'aime bien. Et vous voyez, en une demi-heure, j'ai fait. Attendez, je compte ce qu'il y a par terre. J'ai fait 2,10$. C'est pas mal. C'est rentable. Bah oui. Prêt. Pourquoi pas? Non, non, c'est pas rentable du tout. Merci beaucoup, madame. Mais vous cliquez des 1 comme ça. Boum. Oui, c'est vrai qu'il y a des 10 cents quand même. Il y en a qui m'a mis. Oui, 10 cents, les 10 cents, c'est un peu un crachat au visage. Quoi. Oui, j'ai retenu son visage, vous inquiétez pas. J'ai retenu, genre. Mais bon, il y a pas mal de passages ici, vous savez. C'est pas mal. Oui, mais c'est monsieur Spencer et monsieur Donovan, justement. D'accord. Qui m'ont... Ah bon, là, merci beaucoup, monsieur Luc. Ouais, quand même. Qui a conseillé de jouer ici pour que les gens restent un peu, parce que les gens passent... C'est pour vous remettre de la bouche... C'est vrai que c'est un lieu de passage. Merci beaucoup. Mais les gens passent, mais ils ne restent pas, et c'est, et ça leur pose problème, justement. Alors que c'est charmant, ici. Eh ben oui. Nous, on était venus pêcher, ici. Et on était venus noyer une carriole, ici. Chose, quoi. Ah oui, c'est vrai, un peu plus loin. Oui. Ils devraient mettre un métier pour les nouveaux arrivants, ici. Il y aurait plus de passages. C'est vrai. Ouais, mais un qui fait pas du bruit, alors. Oui. Comme apprentissage des arts martiaux. Et les messieurs du salon et du restaurant, ils voudraient un télégramme aussi. Je crois qu'ils ont fait la demande. Ah, ouais. Oh, ce serait une bonne idée. C'est vrai que ce serait pas mal. C'est vrai. Ça fait toujours venir les gens, ça. Moi, je veux bien avoir un télégramme chez moi aussi. Ah ouais. Pas une petite pompe et un télégramme, je viens chez moi, s'il y a moyen, monsieur, dame, du gouvernement. Ah oui, c'est vrai, vous avez pas d'eau pratique à disposition, vous? Non, si, en vrai, je vais à la plage en bas ou la maison juste en face de moi, il y a une pompe. Vous savez que j'ai deux fontaines à eau sur ma terrasse, là, Sam. Bonsoir. Ah oui, deux. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le Duc, ça va? Bonjour. Ça va, vous? Bonjour, madame. C'est madame Duval, non? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Et le petit Swan, comment tu vas? Ça va bien, bonsoir. Va bien, on écoutait le monsieur qui joue drôlement bien. Bonjour monsieur Pied Claustro, vous allez bien? Comment ça, vous allez bien? Pied Claustro, ah, mais c'est pour le trompettiste. Ouais. En fait, c'est que les orteils. Hein. Les oh, il y a les pièces par terre, je ramasse. Hein. Comment vous dites? Ah non, non. Petit filou. Vous allez pas voler les pièces avec une jack quand même? Cul-de-jatte, comment ça? C'est-à-dire que tu... Ah, c'est pas pour moi, vous avez pas de jambes? Vous avez une caisse? Oui. Bah, pas du tout. T'es un peu coincé dans la caisse. Debout sur la caisse, vous êtes... Ah oui, non, là, ah oui, non, moi, t'es... Vous avez des très petites jambes. Ah, voilà, là, c'est... Vous savez que moi, si je récupère les pièces, c'est pour les orphelins d'Armadio, c'est pas pour moi. Ah bah, bien sûr. Moi aussi, je suis orphelin. C'est pour l'orphelin d'Armadio, c'est ça, le petit Swan? Oui, l'unique. Le seul qui est vraiment pas orphelin. Voilà. J'avais une mère en plus, c'est ouais. Peur, ouais, j'ai même deux mamans pour de vrai. Deux? Bah ma maman, elle, ma vraie maman, elle est pas morte, elle est Anna. C'est pour ça que le père, c'est ma maman provisoire. Et Max, mon papa provisoire. Maman provisoire. Bah c'est elle qui définit comme ça, hein. C'est pas moi qui le dis, hein.
Enfin, c'est toujours un coup de jatte là ou c'est mieux? Là c'est mieux, c'est mieux. Viens beaucoup sur la caisse. Félicitations. C'est parce que. Alléluia. Là on vous a tous vu monter sur la caisse, du coup ça marche. Ouais. Vous avez été témoin que je suis monté. Du coup. Oui, vous me croyez. Maintenant vous me croyez enfin. Nous savons que vous êtes capable. Mais ouais, monsieur Donovan, il suffit que je joue un petit peu. Regardez le monde qu'il y a. Ah oui. Ah, c'est fou. Hein. Ah mais. Incroyable. Mais, je te l'ai dit, hein, j'ai joué tout le temps ici. Il venait juste de dire que ça marchait pas du tout. Et quand. Et quand Donovan. Voilà, c'est ceux qui tiennent Ce surfait. Eux, ceux qui tiennent le pub, ils lui ont dit, ils m'ont dit de faire ça, ils disaient ça marche pas du tout. Et quand eux ils arrivent, on est là, il y a plein de trucs. Qui vise ça? Bah, les Chinois. Il y a les Chinois qui tuent les chiens, je crois. Ah, monsieur Feng Zuli. Moi j'ai cru comprendre qu'il y avait un décret qui avait été mis. Oui. Non, mais ils ont droit à 2$ d'amende. Bon, c'est vrai que 2$ pièce. Je trouve ça un peu léger. Oui. C'est Armazio, là, on a retrouvé un chien tout à l'heure, mort devant les bureaux des shérifs. Ah. Ouais, d'accord. Je sais pas qui c'est. Ça arrive. Après, s'il tombe des toits, ça peut arriver, parce que j'en ai vu sur des toits parfois. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a des dingueries des fois. Des foleries. Par contre, Miles, je serais vous, je ramasserais l'argent, parce que. Oui, un mal de tête venir aller vite arriver. Ah oui, c'est pas idiot ça. Surtout ce soir. Ça serait bien que ce soir. Et puis un autre swan est vite arrivé aussi. Voilà, c'est un conseil qui vaut de l'or. Non, non, mais je me dis, s'il y en a 6 personnes qui ont un mal de tête là et que par hasard il ne reste que moi. J'ai raison, j'ai l'impression qu'il dira qu'il a eu mal à la tête aussi. La tempête a emporté l'argent. Oh, mâche alors. Oh, dommage. Oh, mâche alors. J'enlève le banquier. Vous savez, plus il y a d'argent, plus ça donne envie. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Les gens comprennent le principe. Pour ramasser mon sac, par contre. C'est... Disons que j'aurais laissé le sac de. Si vous voulez, j'en rajoute un de 10 cents comme ça. Mettez des 10 cents partout. Là, c'était... Voilà. Je vais mettre. Pour moi, il reste 50 cents. Ils sont énervés, les gens là-bas. Ouais, même est-ce que tu vois le dernier sac pas. Ou pas? T'as dit quoi? Et ça, ouais, il le laisse un sac devant. Ah non, c'est pas lui. Ouais, mais il le laisse pour faire genre. Oui, voilà. Là, je dépose aussi exprès une petite somme, comme ça, ça attire un petit peu. Le chapeau vide. Voilà, voilà. Bah, c'est un cirque quand il y a des gens qui passent à pied. C'est vrai qu'ici, les gens ils passent plutôt à cheval. Ça attire l'œil. Oui. Et puis on comprend ce qu'il faut faire. Mais moi, il va pas faire ce glissard, du coup, j'ai pas envie de lui donner le sou. Salut Silence, enfin re tout. On s'est vu tout à l'heure, il me semble, non? Ah, je sais plus qui j'ai vu cet après. Ouais. Attention, celle-là, elle est pas facile. Si c'est des fausses notes, c'est normal. Ah là là. C'est le petit Swan qui a le même casque que mon copain. Quand il fait mute, ça fait le même son. C'est rigolo. Ah bah le serpenteur. Vraiment. Ah, non, il y en a quelques-uns. Je pense qu'ils me suivent. Oui, mais Prosper, il les entend à 10 mètres. Ah, je suis le joueur de flûte. Merci, merci. Mais c'est pas des rats, c'est des serpents. Ouais. Il était très enfant. Monsieur Duc, voyons. Ça y est, pas. Ah, mais voilà, chacun sa technique. Je sais pas ça que vous voulez faire. Attendez. Ah, il y a l'arme qui glisse. Ah, ouais, ouais. Faut pas déconner. Vous êtes fort généreux tous, merci. Non mais... N'oubliez pas de dépenser au saloon juste derrière avant de partir. Et impeccable. Moi j'aime bien mais... Bah on est passé au restaurant. En plus vous l'avez dans une grande ville, il y a un château d'Armadillo pas loin. Pardon. Ça va vous? C'est vrai qu'il va passer chez Clayton aussi, on a zappé ça. Oui bon j'irai plus tard, c'est pas grave. Quelqu'un sait où il y a des petits cas agressés dans le comté? Ah oui, bonne question, quelqu'un sait? Dans le comté, Valentine je crois. Strawberry. Ouais, c'est Strawberry.
Ah bon, je savais pas qu'il y en avait. Ouais. Je suis passé il y a deux jours. Et Valentine. Ouais. Au même prix. Ah bah après, il y en a pas à l'infini, je crois. Et c'est au même prix à Valentine que Strawberry ou quoi? Non, c'est à 2$ chaque à Strawberry et 3$ à Valentine, c'est celui du Grand Saloon. Enfin, c'est ça la semaine dernière. Bon bah, voilà. Faut se ruer sur les derniers tickets. Là, ce que je viens de recevoir, c'est l'équivalent de 3 heures de pêche à peu près. Tu vois ce que vous êtes avec les gens généreux, c'est pour ça. Mais c'est vrai. Mais il faudrait que je croise Monsieur Poulpeau. 2 billets de 20$, ça serait bien. Ah, il est gentil. Ah oui, il est gentil, Monsieur Poulpeau. C'est qui ça, Monsieur Poulpeau? Je connais pas. C'est le chef des Gorditos. Ah oui, d'accord. Mais tu reviens, oui. Vas-y, je comprends bien. C'est le grand chef des Gorditos. Faut aller soit à Fort Wallace, soit à Armadillo, soit à Tumbleweed. Et vous pouvez le trouver. Soit des fois à Valentine quand il braque le saloon. Bon, il est un peu partout quoi. Ouais, mais Valentine c'est surtout pour braquer le saloon. Ah, ça lui plaît. Sinon, il est plus à Armadillo, Tumbleweed, mais Fort. Si, c'est... attends, c'est Fort Fort Mach. J'arrête pas de tousser. Je confonds toujours. Oh là là. Fort Mercer, Fort Mercer, ouais, c'est ça, pardon. Mais Fort Mercer, je vous prends. Faut juste lever les bras avant de rentrer. Dans le doute. Je suis jamais allé. Bah, c'est leur base. C'est comme si vous rentrez au milieu du camp des. Enfin, des. Comment dire? Du camp des Apaches, par exemple. Je suis pas sûr que vous soyez hyper bien acquis. Non, faut pas y aller, non. À part si vous êtes invité, quoi. Et où déjà Fort Mercer? Comme nous, on a été invités la semaine dernière. J'ai oublié. Un petit brunch au Fort Wallace. Au Fort Mercer. Allez. Ah, ils peuvent, hein. Ils ont l'intérieur et tout. Hein. C'est vachement sympa. Hein. Ah oui, j'ai été. On a fait la visite avec Poulpeau. J'ai été là, quand il y avait la révolution là-bas. Ah ouais. Ils ont prisons et tout maintenant à l'intérieur. C'est beau ça. Tiens. Encore du monde. Ils ont des prisons là-dedans. Ah, attendez. Ouais, bien. Ils ont des prisons, ouais. Ils ont des. Parlez moins fort. Ils ont des prisons, ouais. Bon, peut-être pas en mal à main, quand même. Si. Ah, ça doit être les Italiens. Allez voir. Ah, oui. Ah. Il a pris son fusil avec. Oui. Je vais prendre mes jumelles, moi. Moi, je vais attirer l'attention sur moi. C'est bien ça. Des diversions. C'est ça? Non, mais apparemment, ils ont un souci avec Monsieur Duke. Et Monsieur Duke, ben. Apparemment, il cherche Monsieur Duke. Et il nous a dit. Ça vous dérange pas que je joue sur cette boîte, Monsieur Spencer? Ah non, du tout. Alors là, vraiment, faites comme chez vous, hein, monsieur Maïs, c'est le problème. C'est votre boîte. C'est ma boîte? C'est votre boîte. Je vais vous laisser, je vais aller voir Strawberry si elle dit qu'elle a gratté. Ouais. D'accord. Et tu m'en laisses un peu. Bonsoir, vous êtes là, tout si à vous, temps, si vous déciderez d'en offrir à quelqu'un, il y a Madame Denise ici. Ah bah, si je fais il y a Madame Denise ici. Un petit problème d'addiction. Non, pas du tout, j'arrête quand je veux, c'est juste que j'aime bien. Vous êtes au combat de boxe féminine demain ou pas? Oui, ah, c'est demain. Mais si vous êtes dans les passages, n'hésitez pas à passer, faire un petit tournoi de boxe. Ah, le jeudi. Ça m'arrange pas souvent le jeudi. Venir pousser un peu la chance pendant les combats ou après, vous êtes le bienvenu. Bah, si je vous vois demain et que j'ai un truc à gratter dans les poches, je te donnerai. D'accord. D'accord, c'est très gentil. 9h30, d'accord. Allez, à tout. À plus tard. À plus. Oui, j'essaierai. Vous passez l'info. Bon, j'ai quand même aller. Si, vous inquiétez pas. Ah, j'ai quand même aller voir aussi. Alors, tout va bien? Ouais. Je veux leur parler. Bon, bah, c'est bien. D'accord. Il faut. Bon, alors, ça va, alors. Non, mais... Je préfère être seul, comme ça fait moins couffé, ouais. Donc... Oui, bah, je me dis, on va pas tous débarquer à 50, là, à se mettre autour. C'est ça. Je pense que pour une discussion calme et posée, c'est pas les meilleures conditions. Si non. Jamais j'interviens, ils vont... Curieusement, ils vont être en panique. C'est la méthode inverse, par contre. La dernière fois, ils ont débarqué à 7 ici pour parler à la petite Miss Elisabeth. Ah bon? Ah, merci beaucoup, JM, salut à toi.
Merci beaucoup pour le raid. Ils sont de Duke. Ils sont pas très bien éduqués. On va faire Cortana officiel. Tiens, c'est personnel. Hein. Désolé, il n'y a pas d'annonce parce que je suis en RP. Merci beaucoup. Salut Sibiu Digger. Merci pour le follow, c'est très gentil. Alors, écoute un peu de musique. Vous allez bien, vous deux? Eh bien, oui, ça va. On s'est mis à beaucoup chasser. Enfin, non, beaucoup. Un petit peu chasser. C'est un air allemand. Un peu allemand, mais. On dort beaucoup ces temps-ci. Oui, aussi. Ouais. C'est pas mal. Toujours du légendaire. Bah, c'est pas mal, ça me permet de tout dépenser dans les tickets à gratter. Ah oui, d'accord. Vous avez les Italiens qui s'installent ici ou quoi? Pourquoi il y en a? Non. Tu faisais quoi de beau, JM? Merci beaucoup. C'est très gentil. Bah, Monsieur Duc avait l'air de dire qu'ils étaient là. Bah, ils sont dans quoi? Oui, c'est ça. Ils sont de Blackwater, mais. C'est qu'on nous a prévenu, on nous a dit attention, parce que bah, je pense que le monsieur, c'était qui? C'était Dexter, il a dit. Bah, j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit peu des soucis avec vous, les Italiens. Je préfère vous dire qu'ils sont un petit peu du côté de Thief Landing en ce moment, vu qu'ils savaient qu'on y allait, quoi. D'accord. Donc il a préféré prévenir. Et regardez, c'est vrai, je vous ai pas encore montré. Qu'est-ce que vous en pensez, ma nouvelle tenue? C'est pour. Comment je vais dire? C'est pour faire la paix entre les peuples. D'accord. Je vois certaines parties. Ça met du Mexicain, du. Mais t'as un petit torchon devant. Alors le Mexicain, je vois pas bien. C'est le natif. Mexicain, c'est mon petit sombrero. Mon petit. Ah non, t'as pas de sombrero. Ma petite veste. Ah d'accord, ok. T'as une petite veste. Ah oui. Ok. Et les pieds nus? Ah, les pieds nus, c'est ses origines, ça. C'est moi, ça. C'est 100% prospère, ça. D'accord. C'est parce que j'ai des orteils qui sont claustrophobes. Petit chapeau façon vaudou. Oui, ça c'est un petit peu moi aussi, mais on n'a qu'à dire. Le ceinturon qui brille, c'est plutôt américain. C'est plutôt cowboy. Mm-hmm. J'ai mon pantalon natif. Mm-hmm. J'ai un gilet chinois. Et j'ai mon petit truc de mariachi. D'accord. Et rien d'irlandais. Comme ça. Et rien d'italien. Ah, si vous voulez que après, il est roux. Pour le côté irlandais, si vous voulez, je mettrai quelque chose de vert. Voilà. Par contre, les Italiens, je les aime pas. Pas envie de faire un comme ça, voilà. Une petite tache de sauce tomate quelque part, ça ira très bien. Ouais, voilà, mais je mangerai des boulettes et voilà. J'allais dire les Italiens, peut-être pour les chaussures, mais bon. Ah oui, non. Ah ben non, bah justement, du coup, voilà. Encourage Cortana. Pour le faire. C'est qui parle? FS, c'est quoi déjà? Désolé, JM. J'ai pas tous les acronymes, enfin, je les oublie. Ah, juste un passage. Ah, c'est souvent dans le coin, les passages. Mais pourquoi qu'elle est énervée, cette bête? Oui, hein, elle est agitée. Qui donc? Elle est agitée. Le cheval, là? Oui, bon, je la vois un petit peu agitée, légèrement. Ah, moi, je la vois toute calme. Elle a une bête. Elle a une bête dans les oreilles ou quoi? Elle secoue sa tête tout le temps. Ah, voilà. Oh, j'arrive pas à dormir. Elle arrête pas de faire ça. Ah, Farmixi, mais attends, oui. Qui c'est? C'est le mien, celui-là? Ah non, c'est pas le mien, non. C'est pas celui de Monsieur Maris. Oui, non, bon retour. C'est ton cheval, ça, Duke? Bah, il ressemble à mon cheval. Shire, mais. Ah, ça l'est pas plus. Le mien. Parce que le mien, il est là-bas. C'est peut-être ça. Oula. C'est peut-être le vôtre quand même, hein, parce qu'il s'est retourné. Alors, pour c'est pas le mien, parce que moi, j'ai pas d'étui sur le côté là. Ah oui, tu me disais aussi. Pas oui, il était là. Oui, parce qu'on l'avait mis là-bas. Ah, d'accord. Comme d'hab, on copie mon style, de toute façon. Oui, c'est vrai. Ah, que voulez-vous, vous êtes beaucoup trop dans le vent. Vous êtes à la mode. Exactement. Attends, je vais prendre un petit multifrais à l'intérieur du coup. Quel homme. Les vrais hommes, ils boivent du multifrais. Exactement. Y a rien de tel pour les grands garçons. Ah mais je pensais avoir acheté plein de porc au caramel, mais apparemment non, j'ai... Bah quoi, j'ai pas la place, j'ai pas quoi. Oh d'ailleurs... C'est bizarre. Ah oui, je porte trop de trucs. Bah oui, avec la chasse, t'as peut-être pas trop vidé tes poches. Ah non, mais c'est parce que j'ai plein de trucs qui ressemblent à rien. J'ai des graines de maïs, j'ai du maïs, j'ai des graines de coton, j'ai des mais carottes. Mais pourquoi tu ramasses des graines de coton? Bah on a fait un petit peu d'agriculture avec Monsieur Duke la dernière fois. Et ça va, ça rapporte un petit peu? Pas du tout, j'ai tout sur moi.
Alors, oui, alors on a acheté toutes les graines au General Store. Et on a testé de demander de les planter pour voir. Parce que ça d'accord. Fait, ouais, c'était rigolo. À la ferme Parker. Là. Ah, ok. On a testé. Il y avait du sucre, il y avait des. Je sais plus quoi. C'est quoi qui en avait fait du sucre, des patates, du maïs, du coton. D'accord. Vous êtes long ouais. Mettre ça là. Ça peut vous servir non, à vous, quelques trucs de maïs, c'est tout ça. Oui, c'est peut-être, pas la, l'activité la plus. Peut-être avec. Voilà, non, mais ça sert. Il fait de la viande avec. D'accord. Une pomme multifruit. Ouais, quand il revient. Ouais, tout à fait. Une petite bière, tiens. C'est parti, ouais. Attendez, je vais aller jeter. Oh, mais c'est tout neuf ici. C'est beau. C'est tout neuf. Jute au nu, ce petit douceur. Jus de chaussette. Nectar framboise, nectar pomme, douceur framboise. Côte du Rhône. On va se prendre un petit chardonnay. Parce que quand même, hein, on n'a pas souvent l'occasion de boire du chardonnay. De l'agneau. L'agneau est plus cher que le chardonnay. Hein. Oh, merde, je l'ai acheté, je voulais pas. Un jus tonus. Voilà. Voilà. Alors, il y a des cigares, mais il n'y a pas de pipe. Ça, c'est bien dommage. Hop là, let's go. J'aime, c'est le meilleur, mais oui. Ça sera par là. Mais... Le cheval, il fait peur. Bon, pardon ? Ça va ? Oui, ça va. J'ai pris du chardonnay. Ah oh bah dis donc. Plaisir. Eh bien, c'est la première fois que j'en vois dans la région. Je sais pas, je suis rentré, je l'ai pas vu. Il m'a suivi ? Bah, je sais pas. Il s'est planqué. Il est parti chasser les serpents. Non, il est pas là. Dites, monsieur Selke, qui me parlait d'huile de foie de morue. À la vôtre, vous en voulez ? C'est moi. C'était vous ? Oh bah, je dis pas non, écoutez. Attendez, j'ai un petit truc pour vous. Oh. Oh bah non, c'est de la vodka, attendez, je vous en cherchais. Je croyais que j'en avais deux, en fait, j'ai de la vodka. J'arrive. Prosper ! Prosper ! Je crois que j'en ai pris deux. J'en ai pas pris deux. Allez ! Ah, c'est con. Ah, vache ! Trop chiant. Allez, je vais reprendre un petit pour Prosper aussi. Hop là. Let's go ! Ah, pour moi aussi, du coup, je l'ai même pas fini. Terrible, hein. Tous ces sous dépensés qui auraient pu être dépensés dans les jeux à gratter. Ça t'écoute. Hop là. Hop là. Je reprends autre chose, en fait. Voilà, j'ai plein de gnolls. Cabinet de... Bon courage, ouais. Cortal. Madame Duval. Mais non, c'est pas la même. Pas la même Duval. Ah oui. Pas la même Duval. C'est un beau chapeau, madame. Exactement, le meilleur chapeau, c'est moi, en général. Ou au final, vous êtes pêcheuse, Denise ? D'origine, oui. D'origine. De vos parents ? De mes parents. Ah, j'aime surtout le bateau. C'est pas que c'est ma passion, mais par contre, prendre le bateau, j'aime beaucoup. Du coup, je me suis habitué et puis j'ai vu. Ça me permettait de rencontrer du monde. Mais c'est pas comme si c'était une passion pour autant. Là, je pêche pas beaucoup. Oui, ça va, vous en sortez ? Mince ! Un petit vin blanc. J'en ai déposé à peu près 40.
Non, pas 40, c'était 40. Non, j'avais 400 en stock, quoi. Ah bah, monsieur Max, maintenant je vous vois jouer dans la caisse, carrément. C'est le cas pour tout le monde. Ah mince, j'ai déposé. Bon, navré. C'est ça qu'on appelle. Alors, Denise, c'est votre gaillard. Exactement. Ça me glisse des mains. Attendez. J'ai un peu de... Ouais, non, mais c'est parce que j'ai trop de choses sur moi. Ah, il faut que je pose des... Eh, le port, ça prend de la... Eh oui. T'es pas léger. T'es pas léger. Ouais, force. Ouais, le port, je rachète. Bah là, la vitesse où descend le port au caramel en même temps. C'est ça. Aussitôt rentré, quasiment aussitôt sorti. Oui, d'ailleurs, vous qui chassez, si jamais vous avez du port... Non plus, t'as plus de place. Bah, oui, mais je peux vous le vendre directement à vous. Hop là. C'est bon. Ah bah venez. Hop. Alors. Venez, voilà. Je vais vous faire ça. On va y arriver, on va y arriver. Hein. Simple et efficace. Vous cherchez que du porc? Principalement en ce moment, le reste. Merci beaucoup. J'ai pas mal de stuff. Si j'ai encore le porc, il se dissout. C'est un échange compliqué, mais on a réussi. Ah mais du coup, je pense que. Pas non plus donner à Prosper, il y a trop de choses. J'ai vendu. Mauvaise idée. J'ai juste une graisse de porc. Ça vous convient, ça vous plaît? Effectivement, c'est frais et sucré. Tout à fait, tout à fait. Très bon. Non, je vous avoue que dernièrement j'ai pas mal à déjà acheter. Très bien, ça me rassure. À part le porc, c'est pétillant. Je vais me réserver parce que sinon mes finances elles vont pas sûr. Enfin, chardonnay, c'est pas du tout pétillant. C'est différent, la préparation est la prochaine fois. Dans un pétillant, le ventre plutôt. Pensez à moi. Ciao. Voilà, vous avez compris. Oui, c'était un peu bizarre, mais oui. Oui, voilà. Ça tabasse un peu quand même. Ah ouais, un petit peu quand même. Bah c'est vrai que à l'origine on boit pas toute la bouteille d'un coup, mais ici ça se fait comme ça, alors je respecte. Ah ouais, c'est comme ça dans le pays. C'est ça, c'est comme ça dans le pays, alors je respecte tout à fait. Ouvert, pourquoi qu'il gratte? Y'a pas un monsieur qui vient de passer? Si. Il cherche une truffe. J'ai cru entendre Achille, mais j'entendais un bonsoir de loin. Ah d'accord. Qu'est-ce qui nous arrive, Madame Denise? J'essaye de te donner quelque chose. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu aurais une place demain soir, si vous êtes par là, on c'est compliqué. Attends, je pose par terre. Pour notre box. Tourne à des rubis. Ouais, excusez-moi. Pour ces dames. Féminin, c'est ça? Je suis déposé ça. Ah oui, on a parlé. Donc c'est voilà. On a parlé. Attendez. On a les 8 participants. Ah oui, d'accord. Un petit chardonnay. Tu vas goûter. Oh, tu sais bien ça. Donc il faudra un peu d'amélioration. Hein. Ouais. Non, ça. Ça, je dis, c'est pétillant, mais non. Oui, mais j'ai Ouidir, donc c'est pour ça que. Ouidir, on va changer un peu de la normale des combats de boxe, un peu mix. Faire une exclusive pour ces dames. Ça peut être sympa. Ouais, j'imagine qu'il y aura Pearl. Ah, bah, il y a Pearl. Il y a Daphné, il y a Madame Phillips, il y a une dame qui s'appelle La Baronne, avec un accent. Ah oui, oh oui, la baronne, oui. Au revoir, ça m'étonne pas non plus. Bah, elles sont deux, il y a la baronne et une amie à elle. Oui, oui. Non, les Italiens, ça va. Ah oui. À son amie, est-ce que son amie, elle a l'accent espagnol ou pas? Elle est grecque, elle nous a dit. D'accord, mais parce que moi j'ai vu une personne qui me connaît, qui lui ressemble physiquement, et elle me parlait avec. Elle me disait des mots en espagnol. Ah oui, alors. Ça se trouve, c'est elle qui les connaît. Hein. Oui, oui, bon, peut-être qu'elle a. Un peu... Ah, ouais. Ouais, elle déconne pas mal. Non, mais vraiment, genre, elle me disait Buenas et tout ça. Ouais. Ah, peut-être qu'elle revenait de Armadillo et elle s'était trop intégrée. Bah, elle était avec un Mexicain, mais alors peut-être qu'il se tapait un délire. Mais oui. J'en sais rien. Ou alors c'est une personne que je connais pas. Enfin, que. Ou je me rappelle pas, quoi. Bah, celle-ci, je l'ai croisée qu'une fois, alors je saurais pas forcément retenir. Bah, ils sont trois, hein, généralement. Il y a ce fameux Pablo Gomez qui les accompagne. Donc, la baronne. Ah, avec un Mexicain, on est d'accord. Oui, oui, en effet. Ouais. Bah, ça doit être elle, alors. Parce que la première fois, là, elle m'a parlé vraiment comme si elle était banditas, quoi. Oui, oui, bah c'est possible, hein. ça leur ressemblerait bien. Faisait... Ouais, d'accord. Moi, ils sont passés une fois ici, ils m'ont demandé comment ça allait un peu dans le pays, s'il fallait faire attention, des petites choses comme ça. Mis à part un peu les gorditos en ce moment. Ils n'ont pas fait compte que vous avez besoin de protection, non? Parce que c'est dangereux dans le pays. Non, même pas, ils voulaient savoir si c'était bien de rester en sombrero. Ça tape le chardonnay. Un petit peu, hein. Conseil à vous donner. Bah, c'est tendu, quoi. Hein. Vous le savez, vous êtes pas bêtes, vous êtes comme nous. Donc, bref, faites attention, quoi. Donc, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils essayent de se fondre dans la masse ou
Ouais. Je sais pas, la dernière fois que je les ai vues toutes les deux, j'avais l'impression qu'elles faisaient un spectacle. Ah bon? Oui, oui. La manière dont elles se présentaient. C'était très... imagée théâtrale. Et je suis machin. Ah ouais, ah, elle a un nom à coucher d'or, hein, je suis désolé. Hein, elle me l'a dit deux fois, mais... Ah, j'ai oublié. J'ai pas retenu. Oh, bah, moi, tant que quelqu'un me dit pas trois ou quatre fois son nom, je m'en souviens pas. Hein. Oui, oui, non, non. Mais c'était là, quoi son prénom? Bah, alors, quelque chose à rallonge. Elle était très, très sympathique, hein, la dame. Pas Calax vraiment, mais l'autre. Oui, bah, les deux, hein, sont, enfin moi, personnellement, m'ont pas crié dessus, rien, donc ça va. Mais au premier abord, elle fait un peu bourrue, mais finalement, ça va. Oui, bah, je le connais. Je suis un peu comme ça avec ma grosse voix. Les gens, de base, C'est ça. ils se disent que je suis pas commode, et puis bon, ça va. Tant qu'on n'est pas italien, qu'on vient pas me casser les couilles. Oui, c'est comment ça s'est passé d'ailleurs? Non, bah ça va, ça va. Vous avez mis les choses au clair? Je suis arrivé comme ça. Donc généralement quand on demande des explications comme ça... Éloigné de ça. Ouais. Alors attention au canasson. Oui, oui, j'en ai pris quelques-uns. Et puis il est balèze celui-là. Ouais, alors, il cherche une truffe par terre là. Oui. Cherche quelque chose. Allez. Et calme-toi, t'es sage. C'est qu'il a planqué une carotte dans ses poches. Ah c'est peut-être pour... peut-être 2-3. Attendez, je m'en occupe. Houmous, c'est bien ici. Ah c'est houmous. T'as l'autre mal ça? Houmous. Oui, j'aime bien les poches. Il ressemble pas mal au mien. Ah bah, il a bien raison, hein, moi aussi. Attendez, il veut pas que je le calme. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Ah, il y a du monde autour, ça les... Ouais, voilà, il est vexé. Les angoisses. J'arrive pas à savoir s'il est marron ou s'il est noir. J'ai l'impression qu'il est plutôt marron. Moi, ouais, j'aurais dit pareil. Non, moi, j'aurais dit qu'il est sale. Boue, non. Il est noir. Pour vous, votre cheval, il est noir. Il est noir, mais d'accord, c'est plein de boue. D'accord, c'est pour ça qu'on le voit marron. Oui, donc c'est vraiment le même modèle que mien. Mon modèle de cheval. Ah oui, c'est... Vous copiez mon style à Miles? Comment ça? Vous êtes le seul à avoir un Shire dans l'état? Le seul à avoir un Shire noir, exact. Bah, en vrai, c'est le plus court. Je pense que c'est le plus courant. Mais... Je voulais un... Mais vous avez les sacoches d'ours. Oh, vous savez, j'étais perdu dans la même sacoche. Il y a trop de trucs. C'est vrai qu'en vrai, les sacoches s'en foutent un peu. J'ai pris des trucs au hasard, j'en avais vraiment rien à faire. Mais... Envie de passer 2h30 dans l'étable. Ah oui, c'est ce qu'on prend, oui. L'étable, pardon. L'étale de l'étable. C'est ça. Bien dit, ça. Mais oui, c'est bien mon cheval. Ok, ok. Non, mais je rigole, bien évidemment. Et puis, il est pas trop cher, en plus. Déjà que vous avez copié mon style vestimentaire, un peu. Comment ça? Je suis bien plus stylé, monsieur Dieu. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ce nœud papillon. C'est vrai que le nœud papillon est très chouette, j'aime beaucoup. Mm-hmm. Ouais, mais ouais. Vous avez vu ma tenue de scène en bleu avec mes lunettes. Oui, non. Bah, oh, j'ai pas vu ça. Vous êtes resplendissant. Exactement, merci. Vous êtes pas mal non plus, monsieur Dupont. Vous avez des sacrés bras quand même. Mais... Oui, je tiens ça de mon père. Il y en a deux aussi. Mm. C'est pas mal ça. Là il fait un peu frais en vrai, je devrais hop, hop. Ma tenue de quand j'ai froid. C'est vrai qu'on est tous bien habillés. C'est vrai. Bon ça va, ouais. Ouais, classique. Bah oui, mais... Monsieur Prosper. Très beau. Monsieur Prosper, il a fait un mélange des genres. Oui voilà, je connais la stratégie du... On dirait comme ça que c'est n'importe quoi. Ouais, j'ai expliqué un petit peu le pourquoi. Voilà, chaque ethnie. Chaque ethnie représentée. C'est un espèce de camouflage. Il faudrait un petit nœud pour les Italiens quand même. Ouais, mais j'ai dit, j'aime pas trop vraiment, en fait. Par contre, c'est vrai qu'il manque un truc irlandais, alors je vais peut-être mettre un truc vert. Ouais, bah le chapeau, vous avez pas le même en vert le chapeau? Je pense pas. Mais je peux essayer de trouver un espèce de... Pas plus de couleurs, c'est la règle. Voilà, voilà. Oui, voilà. C'est pas ma règle, vous savez. Moi, je suis sur un minimum 5 couleurs, maximum 18. Non, mais là, ça va. C'est quoi? C'est du beige, du rouge et du noir. Oui, mais justement, je disais à monsieur Duke, je suis un peu déçu, c'est pas assez coloré. Ah, c'est vrai que c'est des couleurs qui vont bien ensemble, en fait. Ça pourrait être plus bariolé, ouais. Mais parce que tout est un peu sombre, ouais. Là, c'est parce qu'ici, on sait pas se changer, en fait, évidemment. Et non. Ah non, il n'y a pas grand chose ici. Hein.
Mis à part le restaurant et le saloon. Et le meilleur restaurant, le meilleur saloon de l'État. Ah, oui, c'est vrai. C'est déjà pas mal. C'est gentil. C'est pas mal quand même. Moi j'ai froid. Du moins que ça vous convienne, hein. C'est l'essentiel. Hein. C'est ce qu'il faut. Une fois que vous refaites fondre toutes les assiettes qu'on laisse par terre, ça doit faire un beau petit pactole quand même. Oui. Mais ouais, mais le mec qui se fait qui ramasse toutes les assiettes et les cuillères de l'État, il se fait de l'argent à faire ailleurs. Bah oui, c'est vrai. Bonne nuit, bisous Crétion. Ça, moi souvent, souvent quand j'ai une assiette comme ça, hop, hop, et hop, je la remets dans ma poche. Ah, c'est malin ça comme truc. Ah oui, c'est comme ça que j'économise un peu quoi. Il n'y a pas de petite économie. Hein. Salut de crado, c'est par terre. Quand on n'est pas chez nous, c'est pas mal. D'ailleurs, j'ai appris ça quand j'étais garde du gouverneur, parce que bon, foutre des assiettes par terre au gouvernement, c'était pas terrible. C'est vrai. Excusez-moi, mais. Garde du gouverneur, monsieur Luc. Oui, il y a quelques mois. Hein. Ah oui. Je faisais le piqué au gouvernement, ou alors j'accompagnais, mais. Au final, j'ai été plus garde du maire de Blackwater qu'autre chose. Garde, monsieur Pennyworth ? Machiavel, à l'époque. Machiavel, quoi. Vous parlez d'un temps que Max. Moins de 3 mois. C'est ça, que les moins de 3 mois ne connaissent pas. Personne d'entre vous a une montre à gousser à bord, par hasard ? Ah non. Je dois avoir ça, attendez. Une connerie avec Malin. Incroyable. Ah, j'ai enfin retrouvé. Il a tout dans vous attendiez poche. Tellement à ce qu'ils disent, non ? C'est n'importe quelle montre, je veux dire. Oui, oui. Où il faut. Oui ? Bah attendez, oui, on a plus l'heure d'heure. En or, enfin, montre en or, ouais. Ah oui, c'est vrai que tu as acheté ta montre, Maïs. Bah ouais, mais je galère à en trouver. Monsieur Dubois, bah, parce que lui aussi, il est plus. Ouais. Ah bah Dubois, il est prêt à mettre la clé sous la porte, lui aussi, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est monsieur Lourdes qui m'a dit de m'adresser à monsieur Dubois. Donc, oui, tout à fait. Ça. Mais apparemment, monsieur Dubois, oui, mais il est sur le point de devenir shérif, apparemment. Ah bon ? Ah bon. C'est une raison d'en avoir un à foutre. Bah, du coup, je sais pas. Quand on devient shérif, on oublie la politesse. Voilà, je toujours... Vous demandez ça quand même, monsieur. Moi, ouais, je vous le vois pas, je vous l'offre. C'est cadeau. Oh, merci beaucoup. Incroyable. Bah, pour la musique. J'ai failli l'acheter 18$ en marché de... Oh 18$ ouais. Ah oui, non, il faut pas. Oh, mais c'est ouais, c'est Lourdes qui m'a dit, malheureux, ne faites pas ça, c'est une arnaque. Oui, quand même. Mais merci beaucoup. Ouais, ouais, plus sexy du Twitch, ami de Lynn Corep. Je sais pas qui c'est Lynn Corep. Prosper, d'accord. Toi, cher. Gaël. Oui, oui, je connais Gaël, en effet. En effet, en effet. Facile à retenir. C'est vrai. Tu te fais. Les mots, voilà. Alors comment je m'en sers maintenant ? C'est la question. Il y a un moyen mémotechnique pour se rappeler du mot mémotechnique ? Ça ressemble à... Non. Ouais. Ouais. Je parle pas parce que j'ai pas la main sur la souris, je me la réchauffe. Vous avez 2 heures. Je n'y arrive pas, monsieur Luc. J'ai pas appris à lire là, apparemment. Ah oui, alors c'est pas peu facile. C'est comme si vous me provoquiez. Vous provoquez. Un peu comme si vous me provoquiez, mais avec votre montre. Je vais essayer de lui expliquer ça aussi, j'ai l'info. D'ailleurs, je crois que c'est... Par exemple, vous me regardez comme ça. Hop. Comme ça, mais avec une montre. Voilà, exactement. Moi non plus, je sais pas faire ça. Mais vous savez, des provocations, il y en a beaucoup. Hein. Attendez. Oui, mais c'est plutôt... voilà, comme si vous regardiez en haut à gauche, par exemple. Bon, allez, la finesse. Ah là. Impeccable. En haut à gauche. Ah ouais, c'est bien. Par contre, j'ai des yeux tellement mauvais que j'arrive à peine à lire ce qu'il y a écrit dessus. Mais, ah bon, voilà, c'est un autre problème. Fijou ou flèche. Le franc belgerie. Ouais, un petit peu. Bah, c'est normal en fait, comme en mois de novembre. Et encore, il fait un peu plus chaud que ce qu'il devrait, je pense. On est sur du. Merci beaucoup, monsieur Prosper. Prosper, c'est bon, je suis mal isolé chez moi, donc dès qu'il commence à faire froid, je le sens très fort. Oui, je me. Vous avez des très très bons. Ma montre est peut-être de meilleure qualité. Bah, on est 9 degrés, donc ça va en vrai. Ah, vous pensez ? Yop, comme une taupe. Elle est peut-être un peu sale, hein, elle a traîné sur mon cheval depuis un moment. Elle fonctionne encore au moins ? De quoi ? Elle fonctionne encore au moins ? Ah, bah, je suppose. Ouais, j'avoue que.
Faites attention. Moi, avec ma technique de regarder les piaves dans le ciel, j'ai pas vraiment besoin de montre, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'ils ont... En fait, les petits amis, est-ce qu'on se ferait quelque chose? Ouais, tu veux que... Bonne soirée. Oui, moi je veux... Oui, vous voulez quoi? Je veux me trouver de l'argent pour m'acheter des tickets, regardez. Ah, donc il faut faire un truc qui rapporte. Oh, j'en ai déjà... J'ai un peu de sous sur moi, dis donc. Non, mais on peut faire un truc qui rapporte, mais... Ah, de toute façon, vous savez ce qui rapporte le plus, et voilà. Non, je ne sais pas, c'est quoi le truc. Je sais, mais ça, c'est quand j'étais jeune. J'ai attaqué des banques. Voilà. Ah, vous avez aussi. Non, non, bah, c'est la chasse légendaire. Hein. La chasse légendaire. Mm. Vous en avez peut-être marre. Hein. Oh, bon, non, bah, moi, la dernière fois, ça a coupé court, hein, vu que. Ouais. Vu une petite insolation. Si vous avez un piège ou pas, là? Oui, j'ai mon piège. J'irais peut-être bien me changer, peut-être, quand même. Mais parce que j'ai un petit peu froid. Écoutez. Mais sinon, après, votre document, il est peut-être un petit peu plus complet que le mien. J'ai un bon document, là. C'est vrai que le mien, bon. Un petit carnet, là. Tous les animaux indiqués où on n'a pas d'indication d'horaire, bon, on va peut-être pas... Oui, voilà. Non, là, c'est pas trop mal. Eh ben ça me va, si ça vous va. Eh ben, allons-y, alors. Allez, à la chasse. Tout à fait. Eh bien, messieurs. Bonne pêche. Eh ben, bonne chasse. Merci, bonne continuation. Bonne chasse, pardon. Ouais. Bon, c'est pas loin, c'est pas loin. Pas trop loin. À bientôt, messieurs. À bientôt. À bientôt. Bonsoir à vous. Merci, vous aussi. Allez, hop. Vous voulez vous changer? Bah, c'est Blackwater le plus près. Hein. Oui, parce qu'on est pas très loin. C'est vrai qu'ici, on peut... Bah non, ici, on peut pas. Non. Ah, oh, peut-être dans le saloon? Non, je pense pas. Ah non, ici, non, c'est sûr que non. Qu'est-ce qu'elle a écran? Bah du coup, elle aussi, elle est marron. Oui, oui, c'est ça. Très bien. C'est vrai que ça recouvre vraiment beaucoup. Ouais. Ça fait un moment que je l'ai pas balancé. Oula, attention, une calèche qui arrive, faut aller vite. Hop. J'ai metté des calés exprès, désolé. Ça va? Mais je mettais des calés exprès aussi. Ah, bah oui, j'avoue qu'on se décale dans le même sens, c'est un peu. Voilà. Oui, c'est le problème. Oui, oui. Bah désolé. Ça a été de votre faute. Bah bien évidemment. Évidemment. Pas du tout une chauffarde. Ah non, non, mais ça se voyait, vous conduisez prudemment là. Oui. Oui, toujours. Deuxième témoin. Faites attention, il y a deux personnes sur Tiff Landing là. Et je me suis arrangé avec les Italiens en fait. Ah, tout va bien alors? Oui, ça va. Je sais vite persuader les gens qui me cherchent. Oui, je pense qu'ils ont été vite calmés. En parlant de gens qui vous cherchent, voilà. Mon mari voudrait vous parler. Ah bon? Qui mais ça? Pas... Ça va me plaire aussi. Enfin, j'ai envoyé un. Ah, d'accord. D'accord, bah, je regarderai le télégramme. Voilà. Je vais à Blackwater là, de toute façon. Ok, bon, bah nous on va acheter à manger puis on y retourne. Oh, ok. Et après nous on va chasser légendairement. Vous voulez pas chasser légendairement? Vous avez envie de venir? Légendairement? Oui, ça veut dire que c'est des animaux qui sont légendairement exceptionnels. Ah, oh, je vais essayer. Si vous voulez, on peut vous attendre là-bas. Blackwater, dès que vous pouvez. Ok, bon bah je me presse alors. On vous attend. Vous inquiétez pas. Oh, ok, ok. Oh, on a vu ça. Hein. C'est vrai. On l'a vu. Et j'ai pas encore trop testé la calèche. La carriole. Ah, la petite charrette là, les petites carrioles de place là, ouais, ça fuse, ça c'est grisant. On est plus bas, ça va aussi vite qu'un cheval et puis c'est très très maniable. Oui, c'est ça, c'est qu'on a vu qu'on est proche du sol, je pense que c'est bon. J'ai essayé un tout petit peu celle de Prosper, mais j'étais très prudente, c'est pas la mienne. Mais bon, elle a déjà subi. Moi j'hésite à peut-être investir dans un cheval un petit peu plus rapide. Parce que c'est vrai que quand je suis du monde... C'est quoi que vous avez d'habitude? La mule là? Non, c'est pas une mule enfin, elle est noire et blanche. C'est quoi? Des bijoux. Ah. C'est des petits chevaux noirs et blancs qui sont pas très très chers. Mais c'est des chevaux, c'est pas des mules.
Mais non, mais normalement un cheval, quand il est très très bien entraîné, il devrait pas aller beaucoup moins vite que les autres. Hein. Ah d'accord, j'étais pas sûr de ça. C'est vrai qu'elle est pas encore entraînée tout à fait. Hein. Je vois bien qu'elle, qu'elle apprend encore. Elle sera bien entraînée, normalement. Elle pourrait courir à hauteur du vôtre. Ah bah normalement il y a pas de raison. Ok. Ah d'accord, c'est bon de savoir. Après il y a des tout petites différences, mais pas tant que ça en fait. Mais oui, c'est ce qu'on m'avait dit. Le mien il est rapide, mais niveau endurance par exemple, je sens qu'il est moins endurant qu'un cheval plus. Ah oui d'accord. Plus frêle quoi, mais vraiment pas de beaucoup. Mais en soi. Oui, ce sera très très peu alors. Si mon cheval était entraîné tout à fait, je verrais pas trop la différence quoi. D'accord. Vous savez, moi j'ai une vieille carne complètement entraînée, elle se tient aussi bien que n'importe quel cheval. Hein. Parle toujours de cheval, oui. Ah oui, 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 je suis seul. Oui, oui, sûr. Ah là là, j'aime bien. Cette carne-là, elle est déjà partie. C'est ça. Hop là. J'allais voir mes télégrammes, moi, du coup. Oh non mince, c'est lancé Battle.net, je vais le fermer, désolé. Ah. Hop là. Ouais. Et bien tout de suite. Oh, vous êtes rapide. Vous savez faire une situation avec éclair. Ouais non, j'ai bon, c'est vrai. Bon. C'était quand je me suis dit, j'adore. C'est sur 12 mètres à peu près. Ah oui, c'est particulier. Et une distorsion spatio-temporelle. Oui, parce que j'étais pas arrivé très vite. Ça me fatigue, je vous jure. Ah, comme quoi, on peut toujours être surpris. Hein. Bon, ah ouais, mais je vais me changer. Pas bête. Parce que bon, ça c'est pas terrible pour chasser, en plus j'ai un peu froid. Enfin, ici pas, mais tu me l'indiques, j'avais un peu froid. Je vais essayer de rajouter du verre pour les Irlandais, j'y arrive. Je vous rejoins. Oui, pas de soucis, pas de soucis. Une bonne idée, ça. J'aime bien le mélange qu'il fait. Moi, je devrais m'amuser un peu avec les fringues. C'est juste que souvent, quand je me connecte, paf, on commence direct, on se croise direct avec Prosper, avec Monsieur Duke, il se passe des trucs et tout, parce que je me connecte un peu tard. Et en fait, je sais que chercher des fringues, c'est long. Donc, je le fais pas beaucoup. Mais je devrais. Bonjour, monsieur. Faut très poli hein, d'être debout là, sur la chaise, là, comme ça. Oh, ça leur arrive des fois. Ah oui, bah oui. Mais bon, c'est pas très respectueux pour vos mobiliers, pour les mobiliers. Oh, c'est plus les miens alors. Oui, c'est vrai. Mais quand même. Oh, bah vous aussi, vous y mettez. Ah là là. Tout se perd. La vieille chiante. Tout se perd. Oh, ah, un petit blackjack là, juste avant. On va se changer. On va faire juste une petite partie. Ouais, ça c'est sonner. C'est grand jeu à faire. Une chose quand même, vous l'avez bien tenu cet établissement. Ouais, merci. C'est pas facile, mais je pense que c'est le mieux pour Blackwater que d'avoir un salon de vide. Bats, please. Bah ouais, mais bon. Et une petite partie pour la route. Bon, ouais, si vous restez dans le coin, en tout cas, voilà. Okay, 16. Ce sera... 16. Ce sera un peu moins triste. Carte, bon. On en a carte, je suis dingue. La meilleure tenancier de ce salon que j'ai connu. C'est gentil, merci. Mais oui, faudra... On va faire confiance au médecin pour ma présence ici. All bets are in. J'espère bien. 11. Oh, 11. Mais c'est pas beaucoup en fait. C'est légendaire, vous voulez venir avec nous? Vous sentez pas d'attaque? C'est comme vous le sentez. Non, pourquoi pas, oui, peut-être. Ouais. Je pense pas pouvoir tirer, mais en tout cas, je pourrais vous accompagner. Bien, 15. Ça va là. 16. Okay then, 19. J'ai gagné, je crois. Okay, I've got your bets. Let's go. Petite addiction au jeu 18. De la part de.
Yacine. Bah, il y a fait une consultation pour moi-même, mais après. J'arrête là. Parti à Valentine. Et au gouvernement. Hé, j'ai encore gagné. Let's see your bets. Bonne soirée. No more bets. Allez, petite dernière. 10 here. 14 here. 14. Une carte quand même. Went past. Oh oui, c'est vrai, c'est bien. Bon, une vraie petite dernière. Bets, please. Non, c'est pas vraiment de comics, ça. All bets are in. And 6. Bon, vous truqueriez pas les cartes, vous, hein? Non, hein. Avec Ok, 16. Oh, allez. On le sait, là. 19. Ah, ça, c'est bien. J'arrête. Mais sur combien, la mise de base? Pour combien la mise de base? Let's see your bets. Ah ouais, ça veut dire qu'on commence par 20 dollars. Ouais, je m'en vais. Ah. Bonjour. Ah, bah oui, tout à fait. Comment allez-vous? Ça se passe depuis là. Vous êtes fait plumer ou pas? J'ai su m'arrêter pour ça. Vous perdez? Mais dis donc, j'ai des tickets à gratter qui me prennent beaucoup de mon temps. Mais pourquoi vous faites ça? Oh, mais j'arrête quand je veux. Hein. C'est comme ça. Vous perdez beaucoup d'argent avec les tickets. Non, non. Parce que parce que j'en ai pas acheté suffisamment. Donc ça va. Un jour, la napache, il est venu, il m'en a donné 5. J'en ai gratté 5, je lui ai fait, c'est de la merde. Monsieur Light, il y a monsieur Arpé qui vous cherchait à l'instant. Il m'a fait, écoute, pense-en à d'autres. Il est encore le perdu. Bah, il m'a fait, là-bas, Valentine. Moi, si coup, tu n'as pas de chance. Parce qu'on lui a dit que vous oui, voilà, il y a un petit peu de ça. C'est, cas, j'en ai eu un gagnant. Qui vous a demandé. Non, mais non, mais elle n'est pas jouée avec ces conneries-là. C'est pas possible. C'est de la merde. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, j'y pense beaucoup. Il va falloir le pêcher beaucoup de poissons, dis donc, pour l'acheter. Ah, on s'est mis à la chasse légendaire, comme ça j'ai assez de sous à dépenser. Ah oui, donc en fait, vous faites du flic, mais vous le perdez instantanément. Putain. Mais aïe, non. Aïe. Ah non, mais il faut arrêter. Non, mais la dernière fois, c'était... J'en avais acheté pour offrir à une copine qui fêtait son anniversaire. Bon, après avoir gratté 5 fois l'équivalent de ce que je vais lui offrir, je lui ai acheté une 6ème fois ses tickets, et cette fois, je lui ai vraiment offert. Vous avez gagné combien de tickets? Allez, bonne journée. À la prochaine. Bonne soirée. Oh, j'adore passer comme ça pour une show. Ouais. Une fois, j'aime bien. Vous me prenez pour un moulin, en fait. J'aime bien. Pour alimenter le système conique. Exactement. Non, en vrai, c'est parce que, bah... C'est, quitte à dépenser mes sous dans un truc, ça, c'est plus sympa. Bonjour. Oh, mais t'es vraiment jolie, toi. Puis ici, au moins, tu restes blanc. Enfin, beige. Bonjour. Je reviens. D'accord. Après le reste, je dois tout avoir. Bon, un peu de foin. Oh, mais joli ce cheval. Des diverses viandes. Tana, deux lions. Bonsoir. Bon, c'est Joe, quand vous a un peu poussé. Bon, c'est pas grave, je l'ai à peine senti. Ça va. Eh bah ben ça va, votre cheval est toujours magnifique. Oui, merci. Vraiment, effectivement. Ouais. Merci. Ah ouais, c'est vrai qu'il est classe, ça, hein. Ça va. On va faire de la chasse légendaire. Oh, hein. J'ai jamais essayé, donc je me suis dit pourquoi pas. Comment ça, bah... t'as perdu un œil? Moi, je me suis fait attaquer par un loup. T'as perdu un œil? Il m'a dit, si dimanche, d'ici dimanche, je vois toujours rien, bah c'est foutu. Oh ah. Non. Si tu veux, je suis en train d'apprendre une super technique pour faire des yeux en verre. Bah, il m'a dit... Bah, tu pouvais pas prendre l'autre œil. Mais... Franchement... C'est vrai, la prochaine fois, je demanderai au loup, s'il vous plaît, attaquez-moi de l'autre côté, comme ça fait symétrique avec mon beau-frère, ça serait oui. Très sympa. Bah oui, autant, franchement, autant qu'il quand il t'arrive des trucs, autant que ce soit sympa derrière. Bah, tu me connais, j'ai le côté au possible. En vrai, ça m'embête. Bah, t'inquiète. T'embête tout le monde. C'est vrai qu'il est beau, ce cheval.
Il est très très beau, après, regardez ça. Avec sa petit, son petit museau rose. J'ai dit, il est trop beau. Déjà faire le deuil, alors. Trop fan. Ah oui, hein, je comprends. Je dis, bon, pense à une autre version de pirate. Quoi ? C'est bon, là. C'est qu'on fasse, tu veux. Non, c'est toi, tu m'as dit que je ressemble au pirate et que je ressemblais à Doc. Oui, c'est vrai. Je ne connais pas celui-là. Capitaine Haddock. Mon frère, il est pas là ? Bah, en fait, il s'est senti pas bien. Et donc, il a décidé d'aller se coucher. Oh, donc, okay. Voilà. J'ai parlé à Heure pour la maison. Ouais. Il a rigolé. Et... Je vais rapidement de mes télégrammes. Ça veut dire non ? Je sais pas. J'ai dit... Alors, t'as trouvé du verre ? Ben non. Effectivement, il n'y a plus rien. Non. Oui. Vous avez vu des étals ouverts déjà ? Oui, reste un peu de poisson. Ah, j'ai pas regardé. Et monsieur la viande. D'accord, ouais, non, il y a vraiment plus grand chose, quoi. Et il y a quelqu'un qui vend du bois traité. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui vend du bois traité. Alors, j'ai pas vu la différence avec du bois, quoi. Avec le monsieur ? Du bois traité, du bois pas. Si, bah, c'est pas la même étape quand on fait. Du bois, c'est un humain, et le bois traité, c'est du bois traité. Ah, d'accord. Non, mais par exemple, y a des gens qui ont besoin de bois normal, et pas traité, quoi. Et pour d'autres, ça dépend du bois, quoi. Ouais, bonsoir. Alors, bah, j'ai pas eu de réponse, la petite perle. Je vérifie. Ouais, non, c'est bon. En vrai, je sais pas trop pourquoi je vérifie. Moi, j'ai envoyé un petit télégramme à Pearl pour savoir si ça l'intéressait. Je sais pas si elle est là aujourd'hui, mais bon. Je me suis dit au cas où, vu que la dernière fois ça a coupé court pour ma part. Mais je me suis dit, on sait jamais. C'est vrai. Bon, du coup, qui nous accompagne ? Mais je sais pas, j'ai vu les parcs tout à l'heure. C'est possible ça ? Les parcs ? Ah non, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Non, c'est la dame en bleu. Non. Ah oui. Bah, monsieur Park, je l'ai vu vite fait hier à Strawberry, mais j'ai pas eu le temps de. Ah, d'accord. Genre, envoie un petit télégramme, tiens. C'est pas un moment où je les ai pas vus. Ouais, ça fait un moment. Il me semble que Miss Park a quitté le pays, et monsieur Park. Ah bon, ça fait un moment où je l'ai pas vu. Ah. Oh. Ah, monsieur Park, je l'ai croisé hier à Strawberry, mais je voulais lui parler, mais après, j'ai été pris par des cheveux dans les yeux comme un rebelle. Le cheval, oui, c'est vrai, c'est vrai. Que je les ai pas vus en ville, les deux. Ouais, moi aussi. Mmh. Ah non, Miss Park, elle a quitté le pays, d'accord. Ah oh bah c'est dommage, moi il doit être malheureux. Bah... Ouais, je pense que... Ah bon. Il faut qu'il accuse le... Peut-être pour ça qu'on le voit pas beaucoup. Je demanderai, alors. Peut-être bien. Eh ben, du oui, coup, puis j'ai pas son télégramme. Il y a Achille qui vient. Et puis Esther, là-bas. Allez. Et bah let's go, on la cherche. Ah, plus on est de fous, comme on dit. Monsieur Duke. Bah, oui. Je pensais aussi, si elle est encore éveillée, peut-être que Miss Georgia voudrait... Ah genre. Bah... Parce que elle pourrait, c'est bah, la région je sais pas des du mers tout où elle est. Elle est normalement, elle est à la réunion des mairies. Vu que c'est... Bah, c'est où c'est... Ça, genre ça c'est un peu tout où c'est. Ah. Ah mais parce que je sais pas à quelle heure ça termine ce truc là. C'est pas terminé à ce temps-là ? J'ai trouvé la solution pas. À ce problème. Ah, j'espère pour eux. Je peux lui envoyer un télégramme. Hein, mais... De toute façon, hein, voilà. Au revoir. Mais arrête de l'appeler monsieur Gonsoir. Bon, du coup, vous risquez pas de gagner grand-chose en fait, madame Denise. Oh, c'est pas grave, j'ai assez pour m'acheter des tickets. Bah... Ça va. Ben voilà, je veux bien qu'on passe par Strawberry. Je sais que tu t'emmerdes. Ben, pour passer voilà, le temps. Quoi, nous, on se casse, oh, c'est comme ça. Pays, et tiens, c'est une idée. Ce serait chouette d'en acheter un. Oui. Ou plusieurs. Oui. et de le gratter avant la chasse pour savoir si elle va être fructueuse. Ce serait ah, comme un oui. signe. Comme un signe, d'accord. Je te sens pas super comme convaincu. Signe.
Un signe. Oui. Un signe. D'accord, d'accord. Oui, mais vous en prendriez jusqu'un, ou alors jusque un, mais plusieurs fois, quoi, disons. Oui, voilà, un par chasse. Après, aussi, si on décide de chasser 15 fois, il faut que j'anticipe et que j'en prenne 15. Oui, c'est ça, faudrait pas tomber à court. Faudrait oui. pas, oui. Faudrait pas que le destin s'écroule. Ah, ouais, c'est, hein, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah oui, bah non, mais c'est, ça fait sens, hein, ça mais fait c'est sens. C'est tout à fait, tout à fait. Ah là, voilà, voilà. T'en offrirais un, si tu veux. C'est gentil. Puis c'est vrai, faut aussi avouer, ça fait longtemps que vous avez pu gratter de tickets, là. Depuis bah votre oui, bah... de tête. Oui, voilà, hein, c'est... au final, j'en gratte sûrement moins que plein de gens. C'est vrai. Des tickets. Que plein d'autres gens pauvres. Oui, ah, aussi. Franchement. Bah, sache que ta part de la chasse légendaire sera bien dépensée. D'accord, ça va. Ça va, ça me rassure alors, du coup. Ah, si ça peut servir à votre bien-être. Bah, disons que j'ai toujours eu le sens des priorités. C'est vrai, que je comprends. J'ai pas de maison, mais j'ai des tickets. Oui, c'est ça. Pour investir dans de la brique ou dans du petit ticket à gratter. Petit ticket à gratter pour pas mal tester, c'est pas un investissement très rentable. Non, bah, je lui disais que je comptais investir sa part de la chasse là-dedans. Voilà, c'est ça. Elle m'expliquait que c'était un super plan. Faites comme vous voulez. Hein. par exemple, j'ai acheté la dernière fois. Vous savez combien elle a gagné de... Ah oui, c'est vrai. Oui, voilà. Oh, ça, c'était fou. J'ai acheté $125 de ticket, elle a gagné $50. Hein. Ah ouais, ouais. Alors pour elle, c'était bien, parce que son anniversaire, boum, elle a $50. Mais j'aurais pu lui donner les 125. Après, il serait possible que les gagnants, c'était surtout les nôtres. J'ai oui on dire. On avait tout pris. Oui. C'est possible. Est-ce que vous aussi, au comptoir, vous faites la blague un ticket gagnant, s'il vous plaît? Ça le fait très rire. Ah oui, ça doit être hilarant. Ouais, comme le « il n'y a pas de prix, c'est gratuit chez les caissiers, c'est génial ». Ça, c'est toujours hilarant, ça. C'est ça. Ça, c'est comme le barman qu'on lui dit pas plus haut que le bord, tout ça. Oui, c'est vraiment ouais, des super... Une fois, j'ai entendu ça. Ah, c'est toujours des super idées, ça. Mais du coup, au pire, on peut déjà y aller, et puis je checkerai mes mails à des endroits pour voir si on peut récupérer des gens. Au Telegram. Il faudra aller à Strawberry déjà. Que ça, pourquoi? Ah mais c'est pour la technique divinatoire. Ah de, oui, de alors, Duval. Je m'étais dit que j'allais gratter un ticket avant chaque chasse pour savoir si ça allait être fructueux. Mais dans le doute, je suis obligé d'en acheter un petit paquet, on ne sait jamais combien on va chasser. Voilà. Un petit paquet de quoi vous voulez acheter? J'ai pas compris. Alors je me disais que j'allais prendre un ticket à gratter avant chaque chasse pour savoir si la chasse va être fructueuse comme un signe. Ah d'accord. Mais bon, imaginons on décide de chasser 25 animaux, bah faut que je prévoie. Bah écoutez, si vous avez un petit problème d'addiction au jeu, non? Pas du tout, elle arrête quand elle veut. Exactement. Là par exemple, elle n'a plus gratté depuis la dernière fois qu'elle en a gratté. Et ça fait une semaine. Mais alors, vous en avez fait combien de tickets à gratter en tout? Oulala. Oh ben c'est... 1, 2... Bon, j'ai pas compté. Moi j'ai essayé de compter sur mes orteils, déjà il y en a plus. Je sais que j'ai dû gratter au moins 3 fois la part de Pearl, mais après je lui ai repris. Ah, au pire, allez acheter des tickets, moi je vous attends là, puisque comme ça, si Georgie elle arrive... Ben oui, voilà, j'allais savoir un petit peu où ça en était. Vous avez une petite idée d'où on va aller après ou pas? Bah je peux regarder ça. Ah, le truc c'est que ça dépend de l'heure un peu, donc... Oui, c'est ça vrai. Ça dépend à quelle heure vous revenez. C'est là. Difficile à anticiper. Non mais on peut faire ça plus tard, c'est pas un souci, j'irai acheter mes tickets plus tard. Surtout que bon, si on est parti à attendre... Bah je sais pas, moi je vous propose qu'on y aille déjà. Mais Madame Georgia, c'est pas à Saint-Denis qu'elle est pour son truc des mers? Bah justement, je sais pas. Ah mais oui, tant qu'elle dit, elle répondra pas en fait. Elle est censée revenir. Mais... Et oui. Ah oui, d'accord. Je n'en sais rien. On va peut-être y aller alors, elle nous rejoindra. Et en plus, vu qu'elle est un peu malade, je suis pas sûr qu'elle reste si tard que ça. Mais... Ah oui. Déjà que de base, elle reste pas si tard que ça non plus.
Il y a une biche dans la rue là. Attention. Oui, mais ça arrive. Oui, mais s'il sort son arme et qu'il y a des shérifs, ça va pas trop leur plaire, je pense. On n'attirait pas. Hein. Ouais, puis les concitoyens. Oh. Raté. Oh ah, joli. Bah, incroyable, il l'a eu. Il faudra aller jusque là-bas, par contre. Oh bah, tu... je vais te fatiguer bien avant. Oui. Si jamais je lui mets un coup dans sa tête, là, ils vont pas faire la gueule, les citoyens, là. Peut-être. Ça peut-être. Peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Allez, je tente, tente. Ouais. Bon, bah non. Ça va, hein. L'autre, salut. C'est lui en dessous, il est touché. Attention, attention. Je le sens pas. Ouais. Ah oui ? Ah oui ? Non. Non. Il a fait un mouvement bizarre, il a fait un mouvement bizarre. Oui, il est bizarre. Oui, non, mais lui, c'est le. Ça va. C'est le frère du frère du cousin du frère, je reconnais. Ah oui. Ah oui, d'accord. Une grande fratrie. En général, celui-là, il faut pas trop l'embêter. Okay. Bon, bah ça va. Au moins, c'est bon à savoir que la chasse, ça les rend pas. Donc ça tire pas de coups, ça va. D'accord. Apparemment. C'est bon, ça va. Donc, alors il est... il est... Bisous, Esther. C'est ça. 11h du soir. Biche dans Blackwater, 11h du soir... Je vous il est beau son cheval, il est bien décoré. Oui. Tu veux que je conduise ? Ouais. Non mais j'aime bien ce running gag des tickets. Propositions possibles. Et puis en vrai, bah, je trouve ça sympa d'avoir un truc dans lequel tu dépenses un peu tes thunes, c'est inutile mais c'est rigolo. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Je compte sur vous qu'elle se fasse pas mal encore plus. Hein. Mais non, on va être 40 alors ça devrait aller. Quoi de bon ? Oui, allez, il y a 2-3 personnes qui me cherchent. Ah ben non, parce qu'elle serait capable de se coller à quelqu'un et se prendre un coup de crosse quand même. Ah oui, alors ah, ça c'est vrai que ça, c'est vrai que ça arrive. Ça. Alors. Allez, oui, mais non. Hein ? Passez une bonne soirée, amusez-vous bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Bisous Esther. 16h, 20h, 5h, 9h. Il n'y a pas grand chose la nuit. Ah si, il y a ONG là, la nuit. Sinon, il faudrait que ce soit tôt le matin, avec... le temps qu'on y arrive. Il faut du bois brut par contre, vous avez du bois brut ? Oh, il n'y en a pas au marché ? C'est quoi, c'est chez monsieur. Ah oui, c'est Strawberry ça. Vous en avez pas vu au marché du bois ? Oui, il y en a pas au marché. Bah non. Du bois brut. C'est que du bois traité, c'est ça ? Ouais. C'est du traité, oui. Ah d'accord. Ah, ça devait être pour un castor. Ou sinon... J'avais vu. Tac. Mais c'est dans quel coin celui-là qui mange du bois ? Wangila, c'est la... le lac. Wangila. Bah on sait mais faire un... castor, c'est on pour sait... ça. Ah oui, bah on sait pas passer par Strawberry pour prendre du bois. Ouais, mais ça va, faire, ça va prendre trop de temps. Ouais. Ça va prendre trop de temps. Non, je peux vous proposer. Il faudrait que. Le problème, c'est de démarrer le truc, vous voyez. Puis après. Après, ça roule. Après, en général, ça peut enchaîner. Mais là, on a un horaire pas terrible. Parce que bah, là, il est on chantera des chansons en attendant. Oui, c'est ça. Si c'est au petit matin, tant pis. Hein. Il donc est on minuit, y aille. On peut avoir minuit 5h là-bas. Attendez, je regarde un peu. Parce que pourtant, normalement, attendez, dans tout le tri, il devrait y avoir un truc à. Ah oui, il y avait. Ah, la nuit, je sais plus. Non, l'ours, le grizzly était pas la nuit. Non, il me semble pas. En bord de soirée, je pense. Ah ouais, ours oui. Doré. Ouais, 15 et 19, rien à voir. Okay. Ah oui. Parce que là c'est pas à côté les trucs entre 3 et 7 heures. Ouais si, attendez, je regarde. Le problème c'est que je connais pas les noms encore une fois. Mais... Oh, j'ai une demande de message privé. C'est qui ? Butcher Creek, c'est où Butcher Creek ? Bon je sais pas qui c'est, ignoré hein. Butcher Creek, ah c'est à côté de Van Horn, fait chier. Ah oui, Van Horn. C'est Black Bassam. Ah ça c'est le cougar ça, c'est celui qu'on a fait, c'est aussi, c'est tout en haut, nord-est. Un cougar. Ok, tout à fait. Oui, alors faut juste pas se coller. Et ça...
Bon, ça va, ils sont pas très durs. Bah, y a pas... J'ai pas de soucis là-dessus. Ouais. Non, je dis ça parce que nous, la dernière fois, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est que Monsieur Duke avait fait l'appât pour un cougar. Bon, il gérait bien, pas de soucis. On était 15 à observer la scène. Bon, bah, ça a pas tiré à temps. Moi, j'étais blessée, mais donc je tirais pas, j'observais. Mais il a eu le temps de bien de se faire bouffer avant que... avant que les gens réagissent en vrai, à temps. Je remarque que le matin, vaut mieux être du côté de Rhodes et tout ça. Oui, il y avait, du, y avait pas mal de choses là-bas. Plutôt par ici, ouais. J'ai l'impression que... Bah, allons vers là-bas. On bah oui, le temps qu'on a vu là-bas, il sera plus le matin. Oui, c'est surtout ça. c'est que si on veut quelque chose... Oui, en fait, on est en décalé, là. Allez, allez, attendez. Il y a un truc là. C'est un petit cougar. Après, le côté bayou aussi, okay, okay. Ou peut-être que ça peut le faire. J'ai un truc à vous proposer. Au-dessus de Little Creek River. Bon, c'est le territoire... bon, voilà. Mais... Il y a moyen. Vers à la ferme, l'ancienne ferme des Dalton, vous voyez où ça? C'est la ferme qui est au-dessus de Little Creek River. Little Creek River. Vous voyez Big Valley? Oui. Oui. Si c'est la droite. Vous voyez la ferme qui est. Vous voyez à droite Little de l'étable. River. Non, non, c'est juste l'étable. C'est là où il y a l'étable. Ah, ok. C'est dans Big Valley en vrai. Mm. Mais il faut qu'on y aille maintenant parce que c'est entre 8 ou 12 heures. Donc voilà. Et bah. Non, okay. J'ai pas eu le temps de voir, bah, je suis à chier. Big Valley, c'est bien l'endroit où il y a tous les nadifs. Hein. Non, c'est l'endroit où ils veulent pas qu'on aille, mais c'est pas là où ils sont. Hein. Ouais. Ah, ok. Ah oui, c'est ça, oui. De toute façon, voilà. Tant qu'on bousille pas tout ce qui bouge, ça va. Il est grand temps que je teste mon uniforme. tu veux tester son pouvoir? On est d'accord qu'elle est vide pour moi, oui. Vous y allez en calèche? Je sais pas, c'est ce que la question que je me posais, ça passe ou ça passe pas? Ce sera en forêt. Bah, je sais pas parce que, non, c'est un peu tendu parce que pour passer, pour okay. aller... ouais. Je vais l'arranger. Oui. Il y a des petits passages. On va peut-être passer à deux chevaux, limite, vous allez avec Monsieur Duke ou... Monsieur Forêt, comme dans l'usine. Okay. Bon, tiens, allez, on va alterner. Cette fois, je monte sur Tempest. Ouais. Ouais. Comme ça, je. Je parle plus ou moins. Ah oui. Ah. Méfiez-vous, ailleurs. Attention, reste. Ah. C'est pas passé loin. Voilà, comme ça. Comme ça on est tranquille, c'est mieux parce que c'est vrai qu'à 15 chevaux... Ça fait deux fois qu'elle essaye même plus. Ah oui bah... Du coup, pas un petit cheval. Il est ok. Ah oui Achille. Ah oui bah oui. J'avais oublié. J'avais vu combien on était. You wish. On l'a perdu. Je ne sais pas. Bonsoir. Vous avez pas vu Achille? Ah, vous allez bien? Oh bah je pense qu'on sera pas loin de la forêt de Monsieur Wood. Oui, c'est ça. De la forêt, enfin, là. On va quand même être bien loin. Non, mais de la maison, pardon, de la maison. Il a une maison juste au-dessus de Strawberry. Ah oui? On va à peu près par là, si j'ai bien compris. J'ai pas fait attention d'exactement où. Ah oui. Je sais pas exactement. Ah non, ça. Non, c'est pas là. Non. Ah oui, il était le creek river. Ah non, on sera plus loin. J'ai rien dit. Ouais, bah, dis donc, là, on l'a perdu. C'est pas lui, là? Ah non. J'espère qu'il allait bien, il avait pas l'air en très grande forme, le pauvre. Bah oui, mais ça fait. J'ai l'impression que ça fait des semaines qu'il est pas en forme. Oui, bah, il est malade. Il l'a dit, là. Hein? Il a chopé quelque chose. Je crois qu'il parlait de paludisme si j'ai pas dit de bêtises. Et bon, bah, c'est pour ça qu'il arrête et tout ça et tout ça. Paludisme? Paludisme. Un truc avec les. Avec les fruits de mer. Ah oui, d'accord. Mmh.
pas lié en tout cas à l'eau de... À l'eau de mer. Du bayou apparemment. Enfin... Ah bah bravo. À tout ce, ce coin là. Personne n'en sait. Ah bah on l'a perdu. Mais c'est fou. Ah là-bas il y a un cheval. Bah je sais pas où il est. Il y a un cheval où? Vers la maison bleue. Dans la maison bleue. Maison bleue. J'ai entendu quelqu'un dire la maison bleue. Qui nous a répondu. Je vous ai piqué la place. Non mais dans l'allée c'était pas lui j'imagine. Bah non je pense pas. Et là il y a un cheval qui est tout agité. Il était au télégramme. Ah bah oui parce que il contactait Georgia ou Georgina contactait ou quelque chose comme ça. Ah peut-être. Ouf. Alors au pire j'y vais hein, on est... On est pas obligé de monter comme ça hein. Mais je crois que j'ai vu personne. J'essayais de voir si, si ça rentrait. Bon bah... Ce serait bien qu'on trouve le fil parce que... Parce que Georgia, je... elle m'a répondu par télégramme qu'elle pouvait pas. Ah, ah. Bah c'est peut-être ça qui... Il est pas au télégramme. Bon bah non, 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 y a personne dedans. Je veux bien... Je veux bien passer dans la rue en criant Achille, hein. Achille. Non. Non, non. Ah, ah bah y a un cheval. Bah ouais, bon bah... Je sais pas à quoi ressemble son cheval. Je sais plus non plus. Monsieur Achille ? Bah. Qui sont ? Je vais faire le tour par là. Je sais pas. Achille. C'est fou ça ? On a perdu comme ça. Monsieur Achille. Bah, il y a peut-être eu un mal de tête, hein ? C'est possible. Il est tombé endormi près d'une souche. Oula. Hein, ici peut-être? Non. Parfois, il se ferait un costume. Ah oui, il serait parti. Sinon, il serait parti changer à la... au saloon, mais je crois que. J'ai dû qu'il était allé voir au saloon. Ici non plus. C'est bizarre, on l'a perdu. Bah, pas de monsieur Achille. Hein. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est un kidnapping? On va recevoir un télégramme bizarre. Il est à qui, monsieur Achille? Bah, je sais pas. Quand on kidnappe, c'est kidnapper quelque chose à quelqu'un, quoi. Bah oui. À qui qu'il faut réclamer une leçon? Ah, et qui? Oh. Il est là, il est là. Ah, voilà. Bah, voilà. Je suis juste arrivé. Ouais, je suis arrivé à des amis chez eux. Ah, d'accord. Et eh bien du coup, Georgiane a été dormir, elle vient pas. Georgina. Ouais, je sais, j'ai dit bonne nuit à elle. Elle a repris la maison de Monsieur Clément. Elle était où là? C'est laquelle la maison de Monsieur Clément? Ah, c'est celle qui fait le bord de la ville à la sortie sud-ouest. Bah c'est celle trop qu'ils avaient déjà là, non? Non, en plus c'est pas ouais, c'est ça. Mais bon, oui, non, c'est rigolo. Moi, c'est rigolo, ça me va. Bonsoir, Néon Darkova. Je pense pas que je vais vous accompagner. Je commence aussi à fatiguer. Ah, bon donc, ok. D'accord. Pas de soucis. Je vais pas trop ralentir. Bon, ouais, y'a pas de problème. Bah, écoutez, bonne nuit. Hein, oui, prenez soin de vous. Oui. c'est ce que je vais essayer de faire. Faudra que je vous parle un peu à M. Duke dans les prochains jours. D'accord, bah, y'a pas de problème. Bah, je suis là demain, de toute façon. Bah, parfait. Demain, alors. Il se passe des trucs demain, ça me fait chier. J'ai prévu d'autres trucs, mais ça serait sympa. À demain. Bonne chasse à vous. Bonne nuit. Merci, bonne soirée, bonne nuit. Bon, allez. T'es parti pour l'aventure? Oui. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonjour. Ouais, il fait jour. C'est parti. On a attendu toute la nuit. Bah oui. On va arriver là-bas, on arrivera trop tard. Et on va revenir ici, il sera trop tard. Oui, voilà. Bon, ça m'étonne pas. Hein. On est légendaire, mais on n'est pas encore très... On n'est pas au point. On n'est pas au point. On n'est pas au point. Il faut le reconnaître. On est presque aussi au point que pour ouvrir des théâtres. Pour le théâtre. C'est un peu le même... l'organisation, c'est vraiment ça. Mais là, c'est pas nous qu'on a attendu.
C'est vrai. Bon, allez, je vais manger un petit 4 quarts. C'est l'heure d'un petit 4 quarts. Oh. Ah oui, je viens de trouver, j'étais contente. Bah, je me suis pris une petite faisselle là, hier soir. Petite faisselle. petite faisselle qui était elle bien fait. Oula. Elle était bien faite. C'est un dérapage contrôlé. Oui. Oh, un lapin suicidaire. Oui, bah, je pensais pas qu'il survivrait. Je pense que Tempête, elle est devenue végane. Mmh. Elle fait parler tous les animaux. Elle marche plus dessus. Elle fait des petits sauts. Ah, elle les évite. Mais on dirait. Ah, c'est incroyable, elle a une conscience de la souffrance de, des autres animaux. Elle est hyper incroyable, quand même. C'est fou, hein. Comme quoi, hein, elle... bon, on dit elle, mais c'est... on n'avait pas convenu que c'était un monsieur. Si. Mm. Mais tant pis. Bon, après, je pense que ça le dérange pas. Il n'est oui. pas. C'est pas ce. C'est pas ce considération, pas, ne le regarde pas. Non, c'est ça. Une idée au-dessus. C'est un cheval non binaire. Désolé. Chasse légendaire, let's go. Si je fais V, ça marche. C'est pas mal là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ta maman qui doit revenir. Bonjour. Bonjour. Faites semblant de rien. N'empêche, c'est chouette, comme ça on voit des petits coins sympas. Moi j'aime bien, ça me fait visiter un petit peu. Ah mais en plus, vous avez pas encore été à Silver Creek, vous? Non. Ah, c'est joli. Y'a quoi là-bas? Ah bah, y'a plein de fleurs et un petit ruisseau. Oh, c'est chouette. Oui, ça je veux voir. Bah non, parce qu'on m'a dit, il faut si pas... Si je me souviens bien. Les natifs, ah bah, ils veulent pas, tout ça, tout ça. Oui. Ouais, mais bon, voilà, avec Monsieur Duke, j'ai pas peur. Non, et puis là, j'ai ma tenue pour la paix des, oui, des civilisations. Pour la paix des peuples. Voilà, sauf les Italiens. Sauf les Italiens. Ouais, je dirais ça. Quand je vais l'intituler, le costume. Vous savez comment je l'ai appelé, mon costume? Ah, dis-moi tout. Je l'ai appelé Zadiste. Je savais pas comment l'appeler. Je trouve que ça marche bien. Oui. Et tu le... Le mot Zadiste, il explique comment dire. Aucune idée, c'est parfois je rêve. Il t'est venu comme ça, quoi. Ouais, mmh. Mais vous savez, comme moi, le mot binaire. Je fais des rêves éveillés. Oh, c'est vous, ça. Ah, ouais, ouais. Bon, pas encore 10 ans, j'espère. Ça arrive. Oh. Bah, je crierai fort. Oh, c'est joli. Oui. C'est mon coin préféré. Et quand on m'a dit les natifs, ils peuvent pas, ils veulent pas qu'on vienne. Oh, bah, ils te gardent le meilleur coin, bah, dis donc. Ah, bah, oui, parce que c'est. Qu'est-ce que ce genre? C'est vrai que c'est beau. Ah un ouais, petit cabanon ici au milieu. Regardez les petits chevaux. Bonjour. Mais oui, ils sont tout petits. Même les chevaux ici, ils ont un petit truc. Oh, c'est beau. Mais je me demande s'ils ont pas des trucs sacrés. La vallée, elle est sacrée, mais je me demande s'il n'y a pas un truc avec un arbre un peu spécial à eux. Ah, moi j'imagine qu'on le remarquera alors. Mais c'est vrai qu'ils aient pris un sapin au pif. C'est peut-être ce machin là. Ce bout de bois bizarre. Ah oui. C'est vrai qu'il est bizarre. Oh! C'est vachement beau. Hein. Ah oui! Bon, c'est un peu en bazar, mais c'est beau. C'est vrai. Mais si, je crois que j'étais déjà venu ici. Une fois. Ah. Mais juste passé. Oula! Alors? Essayez de planter rapidement. Viande d'oiseau, vous avez ou sinon je vous en donne. Je pense que j'ai. Pas rapidement. Moi j'ai pile à l'heure, quoi, en tout cas. Non, j'ai pas. Moi j'ai, je pense. Moi j'ai, hein, si vous en avez pas. C'est ici? Ouais. Un peu où vous voulez ici. Hein. Ouais. Si je pose le piège ici, ça va? Bah oui. Oh, on oui. peut se mettre sur les toits. De toute façon, vous le regarderez, vous aurez le sentiment de savoir si c'est bon. Oui, c'est vrai.
Je le pose tout de suite. Pardon. Oups. Oh là là. Attention, je vais vite le mettre ça dans marche, tes pieds. Ça marche pas. Ah oui, d'accord, mais je pensais qu'il était déjà mis. Ah voilà. Ah voilà. Où ta cheval? Bon, je la prends pas. Il a fait un petit bruit. Qu'est-ce que vous en pensez? On est au ranch. On ranch. Dog, ouais. D'accord, bon, c'est bon. Hanging Dog Ranch. Viande d'oiseau, c'est bon. Ok. Bah vas-y. Bah, si j'arrive à. Faut peut-être que je m'éloigne. Normalement, c'est la personne qui l'a fait qui doit le mettre. Ah, je savais pas. Oui. Donne-moi tout. Oui. Puisque. C'est vous, ça? J'arrive non, pas à marcher droit. Ah ouais. Hop là, je vous le dépose. Hop là, je le prends. Viande d'oiseau, viande d'oiseau, viande d'oiseau. Voilà. Hop, s'il est ouvert. Oui. Ok. On peut aller un peu en hauteur. Bah ma cheval elle est en fait je la prends pas quand vous arrivez à faire vos trucs. Pas trop hein. Ça va, ça ah oui c'est vrai. Ça marche. Ça, c'est, je vais rester près derrière la barrière moi. Là ça doit aller ouais. On attend un cougar noir je crois. Oh. Ok tu veux rester là où. Oui c'est pour ça vaut mieux se mettre un peu. Ouais. Vous appréciez hein mais. Bon faut pas que je reste trop loin de mon pied sinon je risque de le perdre après. Oui, mais c'est quand même une certaine distance hein, quand on le perd, donc ça, là ça va encore, vous inquiétez pas. Je vais le mettre ici, okay, ouais, ici je me sens bien. Ah oui, son cheval perd, oh, c'est moi. Peut-être encore le temps. Mais oui, voilà, non, je la prends bah, pas. Heure, donc, mais bon, c'est pas très grave. Ce... Je la prends bah, pas quand on part en groupe. C'était un plaisir de te connaître. Et d'éviter tes tentatives de meurtre aussi. Mais elle du coup... pas tant peur que ça, des couilles. La dernière fois, il est arrivé derrière, là, par là. Par les pierres. Ouais, dans ce coin-là. Parce qu'on l'a buté derrière les enclos, donc. Après, c'est pas dit qu'il arrive toujours pareil. Mais... Et ça va, ton petit Sam? Ah oui, par contre, Ruby, je crois qu'elle elle a eu un problème avec cette panthère, ça lui a rien donné, mais c'est... Ah oui, mais ça peut arriver, je crois. Oui, c'est pas systématique, quoi. Bah, ça m'est arrivé avec le tout premier cougar que j'ai fait, ouais. Et puis finalement, après, ça a été... On lui a un peu trop fait sa fête, je pense, oui, c'est vrai. Au premier cougar. Ouais. Ah mais non, c'est vrai qu'on l'avait retenté, mais on pouvait pas. C'est vrai, c'est vrai. T'as un peu de tout. C'était celui d'Annesburg. Oui. On entendait les mines de là où on était. Viande d'oiseau, hein, vous avez mis. Oui. Moi, je vérifie. Quand même. Ah, c'est entre 10h et 14h, pardon. C'est maintenant, le début. Viande d'oiseau crue. C'est bon. J'ai mis la bonne viande. Je vais vérifier. Ouais, restez pas trop dans le coin. Oui, même mais bon. Si je pense qu'elle va arriver plutôt de mon côté, mais. Je me cache. Je préfère être pas trop loin. Vous voulez spécifiquement la tirer vous-même ou. Oh non, vous en foutez, je le claque dès que je le vois. Ok. Pour ma part, j'ai pas de volonté particulière, c'est juste que je. Je sais que je peux pas être trop loin. J'ai volonté de vouloir vivre. C'est ça. Commence la journée, enfin la fin de la nuit, vu que je n'ai pas dormi. Pour me balader ici. Regardons Rabbi Jacob. C'est quand même vachement joli. Would you rather? Et alors, c'est quoi? Huit clos horreur. Un grand écart cinématographique. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'ai quasiment fini Wedding Nightmare. Effectivement, oui, c'est comique en fait. Effectivement. Ça pourrait l'être plus, en vrai. Petit regret que parfois ça pousse pas le délire encore plus loin. Mais c'est divertissant. C'est divertissant. Yep. On voit quelque chose. On voit quelque chose ? Non. J'ai un peu tout retourné, puis j'ai vu un gros truc noir sur mes jumelles. Et j'ai fait, ah, mais c'est Duke. Avec une grosse voix. Ah, je l'ai entendu. Ah.
Mais je la vois pas encore. Mais j'ai entendu. Ouais, on va la voir. Ok, ok. Quelle direction vous l'avez entendu? Je crois que c'était vers. Vers. Bah, en face de moi en fait. Plutôt de. Voilà, en face de là où je regarde à peu près, il me semble. Mais c'était rapide. Je me demande si c'est vous même. Êtes sûr que c'est pas. Non, là où vous l'avez entendu. Bah, ouais. Ah, pas tout à fait. Je suis pas tout à fait sûr. Ouais, non. Ah. Ah oui, bah oui, c'est là. Ah bah oui, voilà, d'accord. C'est bon, sûr. Oui, j'ai raté moi. Ok. Oh la pauvre, elle a même pas eu le temps de manger. Bah ça nous arrange, on garde la pas. Comme ça on récupère la viande. On est radin, on l'est pas. Hein. Oui c'est vrai. Bah tiens, tu veux le faire, Prosper? De quoi? Bah le cougar. Enfin, ah le... la panthère? Ah oh, ouais, je suis bien. Bah oui. On alterne. Ça. Alors attends, je vais la voir avant un petit peu. Un tout petit elle peu. Elle est jolie hein. Ah oui quand même hein. Oh, elle est... Ah oui, gris noir. T'es un gros chat. Le cougar légendaire. Waouh, j'avoue que oui. Joli. Ah ça c'est l'émotion, ça. Je sais que vous avez pas aimé le fait que là, je suis cet animal. Du cougar, hein, pas du fessier ou quoi, ok, ça faut pas tout prendre mal. Oui, oui, il vous traite pas de cougar. Non, c'est ça. Non, c'est lui le cougar. Je suis le seul cougar dans toi. Hein. D'ailleurs, j'ai pensé à récupérer votre piège. Hein. Oui, gros chacal légendaire, c'était pour qu'un, c'était pas un animal. Le chacal légendaire. Ah, le chacal légendaire. Toi, Matt. Puis, qui c'est qui m'avait dit c'était un peu... Ouais, et c'est voilà. La rumeur du chacal légendaire. Ben, c'est pour une personne qui... Mais qui est un gros chacal. Un des trucs sacrément trash. Ouais, bah je savais que c'était un film trash, donc... Un chacal, coyote, panthère, roux. C'est vrai? Ah oui, du côté d'Annesbur, on l'a attendu 8 jours. Ah oui, putain, là. Vous savez que je l'ai refait après, d'ailleurs. Je l'ai fait tout seul. Il est passé entre les jambes de Monsieur Duke et il attendait un cougar, donc il a pas réagi. Bah quoi. Oui! Bah ouais, non. Il arrêtait pas de tourner autour de nous. Et après, il s'en va, il revient, je dis, bon, je vais quand même le tuer, quoi. Bah c'est qu'on avait rien à faire. C'était ça, c'était la panthère. C'est ça. Ah heureusement que tu l'as eu. Hein. Là-bas. C'est vrai. Et bah bravo, monsieur Duke. Je peux vous proposer une autre panthère. Est-ce que vous avez eu la peau au fait? Oui. Oui, oui, je pense parce que. Ah. Elle n'est pas restée dans ta main, donc c'est tout est bon. On va aller à Quaker's Cove au sud de Blackwater là, pour faire une autre panthère. Quaker's Cove. Directement en bas sur le. Ça marche. Votre puma, je suppose que c'est celle-là. Ah, elle est pas marquée légendaire. Il est pas marqué légendaire. Elle a une couleur bizarre ou quelque chose. Oui, normalement, tu t'en rends compte quand tu fouilles dans tes poches, elle est un petit peu différente normalement. Oh, j'imagine. Ah bah là, elle est pas très différente. Ouais. Bon, bah on verra. Peut-être qu'en allant au vendeur, lui, il reconnaîtra que c'est la bonne. Peut-être. Ah, peut-être. Ouais. Peut-être qu'on fera plus jamais celle-là aussi. Ou peut-être qu'on la fera. C'est parce que ça fait deux fois qu'on se fait niquer. Oh. Mais attendez tout gentiment. Et je vais faire un truc. Elle est tellement légendaire que même sa peau. C'est ça. Je vais faire de la place, on verra. Lâche. Mais pourquoi? C'est l'heure de promener Tempête. Des fois elle fait des trucs bizarres. Ok, ils sont là. Bon, c'était rapide, dis donc. Tu sais quoi, les prochaines, prenez-les parce que si ça se trouve, c'est un problème avec moi. Bon, il peut. Oh, regardez. Des orignals. Ou oh des oui, cerfs, à droite. Je sais pas. Ils sont beaux. Oh, ils sont exactement. Ils nous regardent de la même manière. T'es des jumeaux. Ouais. Oh, c'est beau. Merci pour le follow, Cronan.
Cronan peut-être. Mais instinctivement, j'ai envie de prononcer comme ça. Oui, bah peut-être que ça vient effectivement, oui. Du piège, peut-être, il faut que ce soit que non, moi. Mais... Faudrait... Je sais pas. Ouais, peut-être, je sais pas. Non, mais c'est le fait que... Ah oui, peut-être aussi. Peut-être. Que ce soit que la personne... C'est qui mon piège, donc c'est possible autrement, que... Autrement, c'est pas légendaire. Possible que le monsieur, il veuille acheter que celle... Que la personne... Oui, voilà. C'est possible. Voilà, t'as compris. Ouais, voilà. Ah, monsieur Donovan. D'accord. Bonne nuit à toi. Oula. Oula, oula. Des bisous. Ah, salutations tout le monde. Salut, Poppy Boys. Et bonne nuit. Ouais, du coup, je pense que celle-ci, elle est un peu... Elle est perdue pour la cause. Mais c'est pas grave, au moins on sait qu'elle est là. On apprend. C'est en faisant qu'on apprend. Ouais. Oui, c'est que moi qui ai dépecé tous les autres animaux la dernière fois. Et il me semble bien. C'est possible. On va peut-être faire ça pour les prochains. Oui. Quitte à ce que je la donne après, si on veut partager tout ça, mais... Ouais, on s'arrange. Merci pour le follow, c'est gentil. Coucou à toi. Donc non... Avec un R, ouais, sauf que moi je dis Conan, mais je pense que beaucoup de gens le disent Conan. Alors, c'est... Oh, les petits chemins, c'est joli. Alors bon, c'est peut-être moi qui ai une prononciation trop franchouillarde. Mais merci en tout cas. Écoute, je dirais Cronan, et puis voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est des décors qui me plaisent beaucoup. Ah, ça donne envie d'être un natif, hein. Ah bah oui, je comprends qu'ils se gardent tête pleine, hein, disons. Enfin, qui se gardait cette peine. Oh! Bon, je vous dis pas. Non, mais je vous dis pas d'où qu'on est. Voilà, c'est le bordel, exactement! Merde! C'est tout. Bonjour! Cactus! Ah, tu as tiré dans l'animal style! T'as vu, j'ai pas couru, je suis pas parti du cheval. Oui, je pensais que vous aviez sauté. Oui, j'ai pas fait. J'ai hésité, mais j'ai pas fait. J'ai entendu comme. Hein. J'ai entendu comme quoi. Comme quoi il va y avoir une descente de Marshall se tenir chez les Gorditos. Ça former un seul. Ça a dû déjà arriver à mon avis. Faut repargarder. Ah du coup maintenant c'est bizarre l'ambiance avec les deux loustiques là-haut. Eh oui. On l'a jamais autant vu que depuis qu'on s'est vite. C'est quand même fou. Exactement ça en fait, c'est ça qui est incroyable. Même Monsieur Duc il a jamais autant croisé Daphné que depuis que c'est son ex. Mais c'est ça. Parce que non, c'est un peu triste quand même. Elle a jamais autant cherché à être sympa avec lui aussi. Ah c'est vrai? Ah bah je sais pas. Moi j'en sais rien. Peut-être que quand ils se croisent, elle essaye d'un petit peu alléger ça. C'est la culpabilité ça. Peut-être. Ou peut-être pas du tout, peut-être qu'elle est normale aussi. Hein. Moi je sais pas, c'est je sais pas. Le poids sur son âme noire. Oula, toi t'as pris parti toi. Oh pardon. Parfois je suis possédé. Tu sais, c'est toutes ces années de catéchisme, parfois ça fait des réflexes. Hein. Oui c'est vrai, je me suis souvenu récemment de quand t'étais du jour de notre rencontre où t'as été tout possédé par un piano. Oui c'est vrai. Ça fait un moment que ça m'est plus arrivé. Mais ça fait un moment que je joue plus de piano aussi. Oui c'est vrai que t'as peut-être juste arrêté en fait. C'est ça. Un bon truc pour plus être possédé par les pianos, c'est de plus jouer au piano. En fait. Voilà, il y a un petit lien. C'est Ménope Technique. Oula. On vient chercher le bison légendaire ou quoi? Ah, peut-être. Ah, ici, il y a un cougar encore, mais un normal. Oui, ça nous intéresse plus, ça. Oula.
C'est dingue ce qui fait faim. Ah, j'arrête pas de manger, moi. C'est l'air de la campagne, c'est ça. N'importe quoi. La chasse, allez, ça creuse. Viens chercher une truite légendaire. Eh bien. Ah bah, ça tombe très bien. Ça y est. Ah bah oui. Écoutez, j'ai un peu serré trop fort. Ah d'accord. Voilà. Ah oui. J'ai chassé du sanglier dans les parages et... Ça s'appelle comment cet endroit, Scroll? Alors je peux pas vous dire, nous on rentrait sur Blackwater et j'ai vu qu'il y avait du sanglier un peu plus loin là. Et voilà quoi. Et oui. Annie. Nii. J'espère que vous avez de la viande de porc. C'était non, j'en ai plus. Mais il y en a ici normalement. Mais... Okay. J'en ai. Ah ok, bah ça va. Et... Voilà. Il faut mettre maintenant. D'accord. Venez là. Ok. Dites-moi où je mets. Posez-le là, comme ça on va loin. Hop. Et je vous donne la viande de porc. Oui. Hop là. Je le cherche dans mes poches. On a mis une viande de porc. Alors faites attention, ne collez pas. San Luis River, on est bien, c'est bien le bon endroit. On veut pas être mal poli, mais c'est juste que c'est une question d'horaire, du coup. C'est bien San Luis River, c'est ça? Je pense qu'il est un non, peu sonné. Ce... Ah non. Ah parce qu'on est à San Luis River, là. Ah non, c'est Quaker's Cove. Ah bah c'est peut-être plus par là-bas, là. Oui, je confirme. Ouais, mais là, le piège est... Oui, je sais, mais juste là, le piège est trop au bord du truc, en fait. Faut que je mette où? Ouais, par là. Là où vous pouvez mettre ici, c'est sûr que c'est bon. Genre là. D'accord. Je l'ai déjà fait ici. Regardez, si vous sentez que c'est Quaker's Cove pour vous... Je vais vérifier avant de mettre la pas. Ouais. Vous avez encore... J'ai plus de viande de porc, moi. Normalement, je l'ai récupéré. Normalement, non. Ah. Il y a des cochons par ici. Non, je l'ai... Ah. Et si on lui met un porc au caramel? On a qu'à lui mettre un porc au caramel, elle va pas faire la difficile non plus. Bah peut-être, hein. Tu sais, c'est pas la même odeur, hein. Oh. Oh, attendez, je regarde s'il n'y a pas un porc quelque part. Je pensais vraiment que j'aurais récupéré là-bas. Je peux plus m'éloigner maintenant. Bon, bah on a plus le bon. Mais non, les cochons, il y en a là-bas dans le marais, j'arrive. Ouais, moi je reste là. Je vais pêcher. Psychologique. Tirer d'un jeu ou est-ce que tu préférais essayer des trucs généralement assez cons? Ok. On va les dents mousse au chier du savon. Ouais, les tu préfères. J'en ai 80 à Steve, c'est ballot. Oui. Effectivement. Non, mais c'est con, hein. On aurait pu prévoir un petit stock avant et puis on l'a pas fait, hein. C'est ballot. Question vraiment plus trash, sans doute. Ok. Moi j'aime bien le côté thriller, en ce moment j'ai envie de regarder. J'avais commencé une série, mais faut que je la termine, mais je sais pas. Parce que... Bon, après, enfin voilà. Pas incroyable pour le moment. Oh bah on peut pas pêcher ici, y'a pas de poisson. Je suis obligée de rester pas loin de mon piège.
Je préfère le laisser au cas où quelqu'un débarque vite en disant « Ah, c'est bon !» J'ai ce qu'il faut. Bah, je vais arrêter ma VOD ici. Est-ce qu'on attrapera le truc ? Vous le saurez dans la prochaine émission. Bisous !